Elle fut, avant qu'il épousât Madame de Maintenon, la dernière favorite de Louis XIV. Elle avait 20 ans. 2 ans plus tard, elle mourut à Port-Royal. On n'a pas une lettre de sa main, pas un billet. D'elle, on ne connaît pas un mot authentique que ses lèvres auraient prononcé. Elle était belle comme le jour. Elle reçut des robes couleur de lune et de soleil, des bijoux éblouissants, un carrosse que tiraient 8 chevaux. Madame de Sévigné l'appelle « belle beauté ». Elle l'admire, elle la déteste. La marquise ironise quand elle meurt trop vite. Petite comète qui n'a pas su prendre la fortune par les cheveux et doit tout rendre, avant même de rendre son dernier souffle. On a dit qu'elle était sotte. On a dit qu'elle avait été empoisonnée. Depuis près de 400 ans, on ignore la date de sa naissance. On ne sait pas comment elle s'en vint mourir à Port-Royal. Elle est dans tous les livres, cependant, lesquels répètent la même vulgate. Une jeune fille pauvre et provinciale, quoique de bonne famille, fut jetée dans le lit du roi par des parents intéressés et peu scrupuleux. D'une beauté à couper le souffle, amoureuse, mais sotte comme un panier, l'expression est de l'abbé de Choisy, elle plut. On lui fit un enfant, il mourut, elle tomba malade, se crut empoisonnée, devint vaniteuse, lassa le roi qui en rougissait. Elle jeta l'argent par les fenêtres, disparut. Ainsi va le monde pour les cendrillons, sans esprit ni vertu. Cette vignette réécrit un épisode de la vie du grand siècle. L'original, plus proche de Pascal, La Bruyère et Perrault, que d'un mauvais Walt Disney, est autrement incisif. Entre conte de fées et tragédie, cette minute s'efforce de raconter la véritable histoire de Marie-Angélique de Scorail de Roussille, duchesse de Fontanges. Au premier acte, silence et inconnu règnent. Il faut aller débusquer les témoignages, les écouter, lentement faire sourdre les voix du passé, éradiquer la tentation de toute projection anachronique, disposer son oreille à entendre véritablement l'opéra bref qui va bientôt jaillir. Travail d'enquête, minutieux, sur un cold case séculaire. Selon les dictionnaires de la noblesse, les sites de généalogie et ses propres historiens, Marie-Angélique de Scorail de Roussille naît en 1661, mais on ignore quand précisément et où, car les registres paroissiaux susceptibles de livrer l'information, s'ils ont existé, ont tous disparu. Il subsiste néanmoins un acte de 1667 relatif au baptême de Mademoiselle de Fontanges. Quelques auteurs l'évoquent, mais en commettant une erreur de lecture qui les égare. Le texte figure à la date du 2 mai 1667 dans le registre paroissial de l'église Saint-Sulpice de Farmoutier en Seine-et-Marne. Supplens, sacras baptismi caerimonias, domicellis Maria Angelicae Radegondae des Scorail de Roussille, aetate octo annis cum decem circiter mensibus, et Anna de Scorail de Roussille, aetate quator annis cum septem circiter mensibus, dilectus dominus Antonius Kenie, vicarius generalis Meldensis. Ad crates ecclesiae ferentes, patrinus vir nobilis dominus dilectus Henricus de Scorail de Roussille, abbas, matrina domicella radegundis domum. Suivent 3 signatures. De Roussille, R. d'Aumont, et A pour Antoine, Kenyé, Wick Gen pour Vicarius Generalis. La traduction est claire. Supplens, parachevant,
Sacras Baptismi Caerimonias, les cérémonies sacrées du baptême, Domicelis pour les demoiselles, Maria Angelicae Radegondae Descorae de Roussille, Marie Angélique Radegonde Descorae de Roussille, Aetate à l'âge, et là on voit que les trois premières lettres du chiffre 9 ont commencé par être écrites, probablement en fonction d'une réponse apportée par la famille, puis le prêtre rature et remplace par un âge exact. Octo annis, 8 ans, cum decem circiter mensibus et environ 10 mois, et Anna Descorae de Roussille et Anna Descorae de Roussille, aetate à l'âge, quator annis de 4 ans, cum septem circiter mensibus et environ 7 mois. Dilectus Dominus Antonius Kenye, vicarius generalis Meldensis, noble seigneur Antoine Kenye, vicaire général de Meaux, et Adcrates Ecclesiae Ferentes, les portant sur les fonds de l'Église, vir nobilis, noble homme, dominus dont Henricus Descorae de Roussille, seigneur dont Henri Descorae de Roussille, abbas abbé, matrina la marraine, Domicella demoiselle, Radegondis d'Aumont, Radegonde d'Aumont. L'information relative à la date de naissance de Mademoiselle de Fontange, fournie par ce document, est confirmée par l'épitaphe gravée sur le tombeau où son cœur fut déposé en 1681 à l'abbaye de Chelles, telle que l'a fournie en 1772 le manuscrit de l'histoire de l'abbaye royale de Chelles de Robert Racine, aujourd'hui conservé à la bibliothèque Mazarine. Sigy, le cœur de très haute et très puissante dame, Madame Radegonde Angélique de l'Escoraille de Roussille, duchesse de Fontange, fille de très haut et très puissant seigneur Jean Régal d'Escoraille, chevalier marquis de Roussille, Cropière, Fontange, de Saint-Juéry et autres lieux, qui mourut le 28 juin 1681, âgée de 22 ans, dont le corps repose à Port-Royal. La même indication est donnée dans un numéro du Mercure Galant de 1736 et dans plusieurs sources anciennes. Marie-Angélique de Fontange, qui tient le prénom supplémentaire de Radegonde de sa marraine, n'est donc pas née en 1661, mais en juillet ou en août 1658. La correction importe-t-elle vraiment au-delà d'un simple souci d'exactitude? Oui, parce que devenue au cours de sa 20e année la maîtresse d'un roi âgé de 40 ans, la jeune fille n'est pas, au XVIIe siècle, un tendron, victime d'un adulte pervers. Elle a l'âge où il est raisonnable d'être mariée et de devenir mère. Presque à la même date, la deuxième Marie Stuart épouse Guillaume d'Orange en 1677, à 15 ans. Quelques mois plus tard, elle est enceinte. Rappelons par ailleurs que l'âge du premier rapport sexuel en France, en 2022, est de 17 ans et 6 mois pour les filles. De même, mourir à 22 ans est commun au XVIIe siècle. C'est le sort d'un grand nombre d'individus, notamment de femmes, quand le taux de mortalité maternelle est environ de 1%. La différence d'âge entre les amants ne fait enfin l'objet d'aucun commentaire particulier parmi les contemporains. Elle est banale à une époque où les remariages sont légion, les beaux partis souvent âgés et les hommes désireux d'assurer leur lignée peu portés à choisir des femmes qui ne sont plus aptes à procréer. Les hommes du XVIIe siècle notent fréquemment la jeunesse de Mademoiselle de Fontange, mais parce qu'elle supplante Madame de Montespan dans le cœur du roi, une femme de 38 ans qui lui a donné 8 enfants et dont l'esprit paraissait voué à l'emporter sur toutes les passades. C'est à l'exploit d'une jeune fille que ses contemporains sont sensibles, non à un quelconque abus de la part de l'homme qui la déflore. Au XIXe siècle, en revanche, ces critères ont changé, rendant l'écart entre l'âge du roi et celui de Mademoiselle de Fontange scandaleux. L'exagération de la jeunesse de la favorite permet alors de ternir l'image du souverain, figure d'une monarchie absolue et corrompue. Elle permet aussi d'alimenter le mépris qu'appelle l'inconduite d'une jeune fille sans vertu ni esprit. Ces historiens se mettent à qualifier Mademoiselle de Fontange de courtisane, de femme galante, ce qui est totalement immérité, tout en renforçant le pathétique d'une mort si précoce
qu'elle prend l'allure d'un avertissement de la Providence envers les pécheurs. L'indignation dont fait preuve le père Charles Torché dans l'histoire de l'abbaye de Chelles qu'il publie en 1889 est symptomatique. Quelle dérision! Une dépouille mortelle, souillée d'adultère, est ensevelie dans un temple, en face des autels, confiée à la garde de vierges chrétiennes. C'est ainsi que le roi Soleil, en éblouissant les esprits du prestige de ses grandeurs, aveuglait les âmes et oblitérait le sens moral de la France. Hélas, la leçon est totalement déplacée, faussée par des préoccupations de la Troisième République. Elle brouille la compréhension de ce qui s'est joué au XVIIe siècle autour de Mademoiselle de Fontanges. Mieux vaut scruter simplement le premier document qu'on a cité. Une note marginale précise l'identité des parents des petites filles qu'il évoque. Le père est Jean Rigal de Scorail, d'autres actes orthographie Rigaud ou Escorail. Il est comte de Roussy et de Cropière, seigneur de Saint-Juéry, ainsi que d'autres lieux. Son épouse est Éléonore de Pla. Marie-Angélique de Scorail est appelée Mademoiselle de Fontanges par référence à une terre héritée de sa grand-mère paternelle, Guillemine de Fontanges. Lieutenant du roi, Jean de Scorail appartient à une vieille et puissante famille de Cropière, dans la paroisse de Roulac, est située en Haute-Auvergne, à l'est d'Aurillac, pays rude et superbe. La bâtisse existe toujours, non sans avoir subi d'importants aménagements. Un acte du 9 juillet 1669 décrit, au début d'une longue liste de biens, le château de Cropière, sit en la paroisse de Roulac, composé de 3 corps de logis, de tours carnelées, c'est-à-dire crénelées, cuisine, office, cave, salle, chambre, écurie, four, fourniales et prisons. Le tout couvert de tuiles avec girouettes, glaces, cours, fontaines, bassins, jardins et vergers, joignant une tour appelée la tour de Puech-Mourier et masure le château y joignant, avec des fossés, sis à Puech-Mourier en la paroisse de Roulac. La demeure a été embellie par le grand-père de Marie-Angélique grâce à la dot de son épouse. Quelques clichés révèlent, malgré le délabrement du lieu, des vestiges de son ancienne richesse et de belles peintures murales. En 1649, le père a fait construire une chapelle dans le prolongement de l'aile nord. En revanche, le bel escalier qui l'orne aujourd'hui fut ajouté au XVIIIe siècle par le neveu de Mademoiselle de Fontanges, qui hérita du titre, Louis Théodose de Scorail. Le château de Roussille, détruit par un incendie au XVIIIe siècle, se trouvait quant à lui en Haute-Corrèze, au nord-est de Tulle. Il semble avoir été particulièrement apprécié par la mère de la jeune fille, Éléonore de Pla, qui y finit ses jours, peut-être parce qu'il la rapprochait de son Limousin natif. Son père, Anne III de Pla, était seigneur de Curemont en Corrèze. Elle était la petite-fille de Claude de la Châtre, maréchal de France. Il est difficile de fournir davantage d'informations sûres à propos de la parentèle de Mademoiselle de Fontanges. Le père passe pour être né en 1622, mais un document ancien des archives départementales de Corrèze établit sa naissance le 22 mai 1618, à 1h15 après-midi, dit-il. Il mourut en 1700 après s'être remarié à Isabeau de Lubersac. L'acte de décès d'Éléonore de Pla, que j'ai retrouvé dans les registres paroissiaux de la Mazière Basse, lui attribue environ 70 ans à sa mort le 26 juin 1675. Elle a donc dû naître approximativement en 1615. Le couple
Marié en 1640 au château de Cologne, à Nocelles, eut au moins 7 enfants. L'existence de 4 filles est connue. Marie-Angélique, née en 1658, Anne, née en 1662, mais aussi leur aînée, Jeanne ou Catherine, en religion Catherine de Sainte-Thérèse, probablement née en 1652 ou 1653, qui fut abbesse de Chelles. Il faut aussi compter Catherine Gaspard, qui épousa Sébastien de Rosmadec, marquis de Molac, en 1681. Morte le 12 janvier 1736 à 88 ans et 6 mois, selon son acte de décès, elle doit être l'aînée et avoir vu le jour au cours de l'été 1647. 3 fils apparaissent au fil des actes. Anne-Joseph, l'aîné, marié en 1677, Henri et Louis Léger. Henri de Scorail est le parrain de Marie-Angélique et il est présenté dans son acte de baptême comme abbé. Selon Bernard Poulet, curé de Rolac au début du XXe siècle, qui dépouilla les archives locales pour écrire une monographie parue en 1903 sur sa paroisse, Henri était devenu curé de la Mazière Basse, la paroisse du château de Roussille, à partir de 1659, succédant à son oncle Robert. Certains Scorail ont exercé de telles charges dès l'âge de 14 ans. Il dut donc naître entre 1641 et 1645. Il signe pour son père, en 1669, un document notarié où il est désigné comme noble Henri d'Escorail, écuyer, sieur de Gramont. Cette désignation était déjà employée à propos de son oncle, bien que celui-ci fût ecclésiastique. Louis Léger, nommé abbé de Valloire au diocèse d'Amiens en avril 1681, avait alors 18 ans. Il serait né en 1663. Il n'avait reçu qu'une tonsure cléricale. Il jeta le froc, nous dit la Gallia Christiania, en 1692. Pour en savoir davantage sur l'enfance de Mademoiselle de Fontanges, il faut scruter encore l'acte du 22 mai 1667. La formule qui l'ouvre, Supplens sacra baptismi caerimonias, différente de celle qui est traditionnellement employée pour un baptême, n'est pas une maladresse du latin de cuisine. Elle figure précisément dans un rituel publié en 1678 par l'évêque de Limoges, Ludovic d'Urfé. Elle est employée pour confirmer ou compléter le baptême d'adultes ou d'enfants déjà baptisés, mais dans des conditions défectueuses. Un baptême précipité par la maladie ou un accident, administré par un prêtre hérétique ou chez les parents, sans toutes les cérémonies requises. Un tel acte traduit donc un scrupule pieux. Il peut supposer que les deux petites filles ont dû être ondoyées à la naissance, mais dans la mesure où des actes permettent de savoir que leur père fit créer une chapelle dans son château de Cropière, il peut s'expliquer par le fait qu'elles y furent baptisées sans respecter toutes les formes et qu'à la veille d'un acte important de leur existence, la cérémonie soit reconduite dans une famille particulièrement pieuse. L'événement a lieu à Farmoutier, bien loin des terres familiales, dans une église paroissiale qui se situe en face de la célèbre abbaye du même nom. Or, la tante des deux enfants, Jeanne de Pla, qui y avait pris le voile, en était abbesse depuis 1643. La cérémonie de 1667 n'est pas accomplie par le curé qui remplit le reste du registre. La différence d'écriture est patente, mais par le vicaire général de Meaux, Antoine Quénier, qui accompagnait déjà l'official de Meaux lorsque Jeanne de Pla prit possession de son abbaye en 1643, qui prononça l'oraison de sa mère quand elle y décéda en 1648 et inhuma finalement Jeanne de Pla. On l'a compris, Antoine Quénier est un proche de l'abbesse et sa présence révèle l'intervention de celle-ci. La vie de Jeanne de Pla est connue par la lettre circulaire sur son décès, publiée en 1678 par la prieure et les religieuses de l'abbaye de Farmoutier, ainsi que par l'éloge que lui consacre l'année suivante une érudite bénédictine, la mère Jacqueline de Blémure. Les deux sources racontent qu'elle fut placée pensionnaire à Farmoutier à l'âge de 6 ans et quelques mois pour y être élevée par sa tante, Jeanne de la Chartre, qui en était abbesse. L'éloge de la mère de Pla s'étonne que celle-ci n'ait été baptisée qu'en arrivant à Farmoutier à l'âge tardif de 6 ans.
Elle dut en réalité, dans un identique souci d'exactitude pieuse, recevoir une confirmation de son baptême comparable à celle des deux enfants de sa sœur en 1667. Ses parents n'avaient cependant pas l'intention qu'elle prît le voile, mais elle imposa sa vocation et devint novice à 15 ans en 1633. 4 ans plus tard, elle prononça ses vœux. À la lueur de ces documents, il paraît évident que la mère de Marie-Angélique lui confie ses filles pour que de la même façon, elle soit élevée à Farmoutier. L'hypothèse reçoit une confirmation à la lecture de l'histoire manuscrite de l'abbaye de Chelles. Un chapitre relate la vie d'une sœur aînée des deux précédentes. Elle n'avait que 5 ans, dit-il, lorsqu'elle fut mise sous la sage conduite de Madame de Pla, abbesse de Farmoutier. Touchée par la foi, elle demanda l'habit et y prononça ses vœux le 21 novembre 1671. Le texte l'a fait naître en 1655, mais il doit s'agir d'une erreur, car elle aurait alors fait profession à 16 ans, ce qui suppose un noviciat trop précoce. Elle a dû voir le jour quelques années plus tôt. Son exemple éclaire ce qui se passe pour ses deux petites sœurs. Revenons à Jeanne de Pla. Elle meurt le 11 octobre 1677. La mère de Blémur évoque la venue de sa sœur Éléonore, la mère de Mademoiselle de Fontanges. Madame la comtesse de Roussille, sa sœur, avait fait 100 lieues pour la venir voir, après 20 ans d'absence. Elle obtint permission d'entrer dans l'abbaye et s'étant approchée du lit de cette sainte malade, toute fondante en larmes et sans pouvoir parler, la vénérable abbesse lui dit « Adorons, ma très chère sœur, la divine providence qui nous réunit pour rendre notre séparation plus douloureuse. J'ai de la peine de celle que vous souffrez, mais je me réjouis d'aller à Dieu. Je le prie de vous consoler et j'espère que de votre côté vous lui demanderez la grâce pour moi, que j'achève ma course dans les sentiments d'une bonne chrétienne et d'une vraie religieuse. » Mesdemoiselles ses nièces, filles de la comtesse qu'elle aimait tendrement et qu'elle avait élevée auprès d'elle, étaient si pénétrées de douleur qu'elle lui aurait causé bien de l'émotion si elle n'eût été tout occupée de la divine volonté. Elle leur dit pourtant « Vous voyez en moi, mes chers enfants, un exemple sensible de la fragilité humaine. Si auparavant vous y trouviez quelque chose capable de fixer vos affections, à présent, je ne suis pour vous qu'un objet de pitié. Apprenez donc en ma personne à quoi tout aboutit. C'est aujourd'hui mon tour. Demain, ce sera le vôtre. Faites bon usage des talents que vous avez reçus de Dieu. Ne vous aveuglez point sur votre beauté et sur votre adresse qui passeront bientôt. Attachez-vous uniquement à Dieu et n'aimez jamais que lui. » Depuis cette courte remontrance, elle ne parla plus que de Dieu, des affaires du salut et de ce qu'elle devait à sa communauté. Ce texte est intéressant parce qu'il évoque la présence des nièces de la mourante, mais ne la corrèle clairement pas au voyage exceptionnel de leur mère. Celle-ci accomplit seule, pour la première fois depuis 20 ans, les 100 lieues, c'est-à-dire les 480 km, qui éloignent Farmoutier et l'Auvergne. Catherine, la sœur aînée, ayant prononcé ses vœux, elle est une des 4 religieuses qui tiennent le poêle du cercueil de sa tante, rien de plus normal. Mais les deux autres n'ont jamais dû non plus quitter l'abbaye depuis leur arrivée en 1667, 10 ans plus tôt. La route représente un trajet coûteux de 6 à 8 jours. Il faut de bonnes raisons pour l'entreprendre. Or Jeanne, dite Mademoiselle de Saint-Juéry, n'a encore que 15 ans et deviendra religieuse à Chelles. Marie-Angélique en a 19, mais rien ne justifie qu'elle ait été traitée différemment. En fait, il est probable que le dernier voyage à Farmoutier de leur mère, vers 1657, correspond à celui qu'elle fit pour déposer son aînée Catherine, dont la naissance, si elle est arrivée à 5 ans, doit alors se situer en 1652. Ces découvertes font voler en éclats la légende d'une Marie-Angélique de Fontanges, jeune provinciale, élevée en demi-sauvageonne dans un sévère château. Cropière, avec ses fresques à l'italienne, est une belle maison, et la petite fille grandit ensuite dans un milieu de femmes pieuses, attentives et remarquablement cultivées.
La mère de Blémur raconte que Jeanne de Pla, morte en odeur de sainteté, lisait, enfant, les vies des pères du désert et chantait si bien qu'on accourait de tous côtés pour l'entendre. La sœur de Mademoiselle de Fontanges, Catherine, morte en 1688, abbesse de Chelles, est l'objet d'une admiration générale. L'histoire manuscrite de l'abbaye de Chelles, qui suit son nécrologe, loue son esprit vif et pénétrant, sa conversation aisée et intéressante, la bonté de son cœur, la douceur de son caractère, sa présence aux offices, sa tendresse pour ses religieuses, et j'en passe. Elle tint son abbaye avec efficacité et autorité. Aucune raison n'invite à penser que Marie-Angélique fut pour sa part privée de ses grâces. De façon amusante, la lettre capitulaire des religieuses de Farmoutier, comme la mère de Blémur, mentionne l'extrême beauté de Jeanne de Pla, une des plus belles filles de son siècle, disent-elles. Un jour que la reine-mère vint à Farmoutier, Madame de La Châtre, l'abbesse, sa tante, l'enferma dans une chambre, je cite, « pour empêcher qu'on ne lui fît quelque compliment sur sa beauté ». L'abbesse recommanda même à sa nièce de porter toujours son voile baissé au parloir jusqu'à l'âge de 45 ans pour ne pas attirer les regards ou succomber à la vanité. Pourquoi la beauté eût-elle seule été en partage entre les deux femmes ? La présence de Marie-Angélique à Farmoutier détruit une seconde légende fort reproduite à propos de son arrivée à la cour cette fois. La Vulgate pose qu'elle rencontra en Auvergne un parent ambitieux, César de Groulet, comte de Peyre, qui, ébloui par sa beauté, décida de la faire venir à la cour pour y séduire le roi et redorer les finances familiales. Cette prostitution organisée, requérant plus ou moins le consentement des parents, n'a rien de vraisemblable, s'agissant d'une famille respectée qui pratique d'importantes donations pieuses et compte plusieurs abbesses illustres. Aussi est-ce pure affabulation qui apparaît après sa mort. Ézéchiel von Spanheim fut ambassadeur d'Allemagne en France. En 1676, il avait épousé une dame d'honneur de Madame. Il écrit, dans sa relation de la cour de France en 1690, que la jeune fille, je cite, « vint à la cour dans l'année 1679, en la qualité d'une des filles d'honneur de Madame, et avec le dessein formé et les apparences, fomenté même par ceux de sa famille, de faire du roi son amant. » Spanheim écrit après coup, en se trompant sur la date qu'il cite, en se fiant à des ragots, apparut une fois Mademoiselle de Fontanges morte, quand il ne demeure plus d'elle que les privilèges qu'elle a fait accorder à ses frères et sœurs. La médisance est ensuite développée au XVIIIe siècle sous la plume de l'éditeur des mémoires et des lettres de Madame de Maintenon, Laurent Gliviel de la Baumelle. Les libertés qu'il prend avec ses sources, ses inserts apocryphes sont connus. Mademoiselle de Fontanges, qu'il qualifie d'Agnès par référence au personnage de l'école des femmes, subit ce traitement fantaisiste. L'imagination de ses successeurs fit le reste pour transformer une calomnie en apparente vérité historique. Que se passe-t-il en réalité ? À presque 20 ans, Mademoiselle de Fontanges n'éprouve pas de vocation religieuse. Elle n'a plus l'âge de rester dans ses conditions au couvent, d'autant que sa tante vient de mourir. Elle va donc en sortir et naturellement bénéficier des relations de sa parentèle pour obtenir une place à la cour qui peut lui faire espérer un beau parti. Mais aucun oncle Macro n'intervient. Nul n'a noté qu'elle apparaît pour la première fois dans la livraison de mai 1678 du nouveau Mercure Galant. Le titre, comme le Mercure Galant, est une brochure mensuelle agrémentée de suppléments qui entreprend de diffuser nouvelles mondaines, culturelles et politiques en proposant de surcroît questions ou charades à résoudre à ses lecteurs. Écoutons ce témoignage. L'abbaye du Lys, près de Melun, de l'ordre de Saint-Bernard, ayant été donnée à Madame Colbert, elle fut bénite, il y a 8 ou 10 jours, en l'abbaye de Port-Royal, du même ordre, par Monsieur l'archevêque de Paris. Elle est sœur de Monsieur Colbert, ministre et secrétaire d'État, et il suffit de ce nom pour faire juger de son esprit et de son mérite. La reine honora cette cérémonie de sa présence. Mademoiselle d'Orléans, Mademoiselle de Blois et Mademoiselle de Bouillon l'y accompagnèrent. Un grand nombre de prélats s'y trouva aussi, avec plusieurs autres personnes du premier rang. Mademoiselle de Bouléon, qui demeure dans cette abbaye de Port-Royal, fut présentée à la reine par Madame Colbert. Ce n'est encore qu'un enfant, mais dont les qualités sont au-dessus de son âge.
Madame la princesse d'Harcourt présenta aussi à Sa Majesté Mademoiselle de Fontange. C'est une personne très aimable, elle a de la beauté, et Madame la princesse Palatine l'honore d'une protection particulière. Elle doit entrer fille d'honneur de Madame à la première place vacante. Monsieur le comte de Roussy est son père, et sa maison, une des plus illustres du Limousin. Elle est alliée de Monsieur le maréchal de la Ferté, de Monsieur le maréchal de la Feuillade, de Messieurs de la Châtre et de plusieurs autres personnes de la première qualité. Non sans quelque ironie tragique, Mademoiselle de Fontange naît au monde à Port-Royal de Paris, où elle mourra 3 ans plus tard. Elle est présentée à la reine Marie-Thérèse avec une autre jeune fille du meilleur rang. Mais le texte s'attarde sur elle, évoquant l'excellence de sa naissance, sa puissante parentèle et sa beauté. On apprend surtout qu'elle est sous la protection de Madame, à savoir Élisabeth Charlotte de Bavière, la princesse palatine, l'épouse du frère du roi, auprès de qui la jeune fille doit recevoir la première place d'honneur qui se libérera. Enfin, Mademoiselle de Fontange est chaperonnée par la princesse d'Harcourt, née Françoise de Branca. Celle-ci est, depuis son mariage en 1669 à Alphonse-Henri de Lorraine, prince d'Harcourt, dame du palais de la reine. Saint-Simon en a laissé un portrait célèbre. Cette princesse d'Harcourt fut une sorte de personnage qu'il est bon de faire connaître, pour faire connaître plus particulièrement une cour qui ne laissait pas d'en recevoir de pareille. Elle avait été fort belle et galante. Quoiqu'elle ne fût pas vieille, les grâces et la beauté s'étaient tournées en gratte-cul. C'était alors une grande et grosse créature, fort allante, couleur de soupe au lait, avec de grosses et vilaines lippes et des cheveux de filasse, toujours sortant et traînant comme tout son habillement. Sale, malpropre, toujours intrigant, prétendant, entreprenant, toujours querellant et toujours basse comme l'herbe ou sur l'arc-en-ciel, selon ceux à qui elle avait affaire. C'était une furie blonde et de plus une harpie. Elle en avait l'effronterie, la méchanceté, la fourbe et la violence. Elle en avait l'avarice et l'avidité. Elle en avait encore la gourmandise et la promptitude à s'en soulager. Et mettait au désespoir ceux chez qui elle allait dîner, parce qu'elle ne se faisait faute de ses commodités au sortir de table, qu'assez souvent elle n'avait pas loisir de gagner et salissait le chemin d'une effroyable traînée qui l'ont maintes fois fait donner au diable par les gens de Madame Dumaine et de Monsieur Legrand. Elle ne s'en embarrassait pas le moins du monde, troussait ses jupes et allait son chemin, puis revenait, disant qu'elle s'était trouvée mal. On y était accoutumé. Elle faisait des affaires à toutes mains et courait autant pour 100 francs que pour 100 000. Les contrôleurs généraux ne s'en défaisaient pas aisément. Et tant qu'elle pouvait, tromper les gens d'affaires pour en tirer davantage. Sa hardiesse à voler au jeu était inconcevable, et cela ouvertement. On l'y surprenait, elle chantait pouille et empochait. Et comme il n'en était jamais autre chose, on la regardait comme une harangère avec qui on ne voulait pas se commettre. Et cela en plein salon de Marly, au lansquenet, en présence de Monseigneur et de Madame la Duchesse de Bourgogne. À d'autres jeux, comme l'ombre, etc., on l'évitait. Mais cela ne se pouvait pas toujours. Et comme elle y volait aussi, tant qu'elle pouvait, elle ne manquait jamais de dire à la fin des parties qu'elle donnait ce qui pouvait n'avoir pas été de bon jeu, et demandait aussi qu'on le lui donnât, et s'en assurait, sans qu'on lui répondît. C'est qu'elle était grande dévote de profession, et comptait de mettre ainsi sa conscience en sûreté, parce que, ajoutait-elle, dans le jeu, il y a toujours quelques méprises. Elle allait à toutes les dévotions et communiait incessamment, fort ordinairement après avoir joué jusqu'à 4 heures du matin. Ce portrait au vitriol, rédigé au début du XVIIIe siècle, évoque Madame de Branca à la fin de sa vie. Saint-Simon dénonce sa décrépitude, le débraillé d'une grande dame qui s'oublie sans vergogne sur les parquets de ses hôtes, sa cupidité et sa bigoterie. Il s'agit en réalité d'une exécution en règle, injuste, d'une femme qui fut proche de Madame de Maintenon. Son père avait été l'ami de celle-ci quand elle était mariée au poète Scarron.
une Madame de Maintenon que le mémorialiste exècre. En fait, Madame de Branca était cultivée, sa mère fut une précieuse célèbre, elle était une femme de tête, une gestionnaire avisée de ses biens et l'amie de Madame de Grignan, la fille de Madame de Sévigné. Bussy Rabutin, qui surnomme la première Branquette, fait l'éloge de sa beauté, de sa blondeur et suggère que jeune, elle aurait plu à Louis XIV. Elle fut aussi ce que Saint-Simon doit finir par dire, fort pieuse. Il est difficile d'imaginer protectrice plus éminente pour Mademoiselle de Fontanges au début de l'année 1678. Il est de nouveau question de la jeune fille dans la livraison d'octobre 1678 du Mercure Galant cette fois. Écoutons le texte. Le roi étant parti pour Versailles le 16 de ce mois, leurs altesses royales vinrent ici à Saint-Cloud le lendemain, donc le 17, et reçurent Mademoiselle de Fontanges à la place de Mademoiselle de Maignières, à présent duchesse de Villars. C'est une fort belle personne. Elle est grande, blonde, a le teint vif, les yeux bleus, et mille belles qualités de corps et d'esprit dans une grande jeunesse. Monsieur le comte de Roussy, son père, est d'Auvergne. Elle devait être présentée par Madame la princesse Palatine, qui l'a donnée, mais comme elle était malade, Madame la duchesse de Ventadour la présenta au lieu d'elle. Cette fois, la jeune fille est présentée au roi et à la reine à Saint-Cloud, résidence de monsieur et de madame, dont elle est officiellement devenue demoiselle d'honneur. Le rôle de la princesse d'Harcourt, 5 mois plus tôt, s'éclaire. Mademoiselle de Fontanges remplace en effet Mademoiselle de Maignières, devenue duchesse de Villars le 3 septembre. Mademoiselle de Maignières a donc épousé le cousin germain de Françoise de Branca, un homme d'une 60aine d'années, dont elle devait être la 3e et dernière épouse, il mourut l'année suivante. Comment Mademoiselle de Fontanges fut-elle introduite auprès de la princesse d'Harcourt et de Madame ? Très certainement par la petite compagne de jeu de feu sa tante, l'abbesse Jeanne de Plat, quand elle était pensionnaire à Farmoutier. Madame de Blémur raconte en effet son étroite amitié avec Anne de Gonzade de Clèves, également pensionnaire à Farmoutier, qui allait épouser en 1645 Édouard du Palatinat. Veuve, dévote, Bossuet a écrit pour elle une de ses plus belles oraisons funèbres, Anne de Gonzague avait négocié le mariage de Madame avec Monsieur, et Madame l'appréciait. Madame d'Harcourt était aussi alliée à la maison de Lorraine. Il n'est pas impossible de penser que la tante de Mademoiselle de Fontanges, Jeanne de Plat, abbesse de Farmoutier, fut la première à s'adresser à son amie pour assurer l'avenir de sa nièce qu'elle découvrait sans vocation. Anne de Gonzague, lorsqu'elle mourut en 1684, conservait assez d'affection envers Farmoutier pour y faire inhumer son cœur. Elle n'a certainement jamais oublié son amie d'enfance. Une autre voie est possible. La duchesse de Ventadour, proche de Madame, et qui la remplace auprès de Mademoiselle de Fontanges le 17 octobre 1678, était une parente par alliance de sa marraine, Radegonde d'Aumont. Sa sœur, Françoise Angélique de la Motte ou d'Ancourt était duchesse d'Aumont, ayant épousé le neveu de Radegonde. Ainsi, point d'homme pour maquignonner Mademoiselle de Fontanges quand elle entre dans le monde, mais de grandes dames pieuses et maîtresses femmes, résolues à établir une jeune fille moins fortunée, mais destinée à devenir l'une d'entre elles. On songe irrésistiblement au début de La princesse de Clèves, publié au mois de janvier 1678 et dont le Mercure Galant discute dans les mêmes livraisons où il est question de Mademoiselle de Fontanges. Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde. Et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. On ne saurait mieux dire au moment où commence l'histoire de Mademoiselle de Fontanges. Que mon cher nous nous a dit et Oh,
l'automne 1678, Louis XIV vient de signer les accords de Nimègue. La France est en paix. Le roi pourra consacrer son attention aux affaires intérieures du pays. Versailles est un immense chantier, mais le palais deviendra bientôt la résidence principale de la cour et du gouvernement. Tous les regards sont rivés sur le roi, qui vient de fêter ses 40 ans, sur sa cour et les cérémonies somptueuses qui orchestrent sa gloire. L'homme n'a pas de goût que pour les affaires, la renommée et les arts. Il aime aussi les femmes. La princesse Palatine, Madame, sa belle-sœur, résume la situation avec la verdeur qu'on lui connaît. Le roi était galant, mais souvent débauché. Tout lui était bon, pourvu que ce fussent des femmes, paysannes, filles de jardiniers, femmes de chambre, dames de qualité, pourvu qu'elles fissent seulement semblant d'être amoureuses de lui. Depuis des années, une liaison éclatante avec Madame de Montespan. Elle est mariée, mais le roi a légitimé leur bâtard aux grandes dames de Madame, la Palatine, ou d'un aristocrate comme Saint-Simon. Madame de Montespan fut une beauté. Elle fait preuve d'un esprit brillant, redoutable, qui met en joie le roi. Mais le temps des amours s'achève. Primi Visconti, un piémontais, tireur de cartes et un peu devin qui fréquente la cour, l'explique dans ses mémoires sur la cour de Louis XIV. Le roi était fatigué de Madame de Montespan. Elle avait pris sur lui un ascendant qui était devenu une sorte de domination. Elle avait eu, depuis peu, deux nouveaux enfants et son embonpoint était alors tel qu'un jour, pendant qu'elle descendait de son carrosse, je pus voir une de ses jambes qui était presque aussi grosse que moi. Je dois dire, pour être juste, que j'ai beaucoup maigri depuis que vous ne m'avez vu. Elle avait l'habitude de se faire frictionner et parfumer avec des pommades et des parfums, étendue toute nue sur un lit pendant 2 ou 3 heures chaque jour. Ce n'était déjà plus qu'avec peine que le roi la prenait dans son carrosse et lui donnait la main, ce qu'il ne faisait pas avec la reine. Dans ces conditions, le roi multiplie les liaisons passagères. Toutes et tous y donnent la main. Les principales intéressées, parce qu'elles espèrent supplanter la favorite en titre et triompher à la cour, parce qu'elles sont sans doute également sensibles à l'intérêt que leur porte un monarque tout-puissant et non dénué de charme. Quant aux courtisans, en servant les liaisons du roi, ils entendent servir leurs propres intérêts. Primi Visconti écrit de la sorte. Quoi ? N'est pas beau, mais il a des traits réguliers, les visages marqués de la petite vérole, les yeux sont comme vous voudrez, majestueux, vifs, espiègles, voluptueux, tendres et grands. Enfin, il a de la prestance, et comme on dit, un air vraiment royal. S'il n'était que courtisan, il se distinguerait parmi les autres. Ses qualités à part, les femmes naissent avec l'ambition de devenir les favorites du roi. Mademoiselle de Fontanges se présenta à la cour avec cette idée dans la tête. Madame, qui choisissait ces demoiselles d'honneur parmi les plus belles pour attirer le roi chez elle, offrit à cette demoiselle de l'amener avec elle à la chasse, qui était la passion préférée de cette princesse. Mademoiselle de Fontanges accepta. Elle était grande, bien faite et très jolie, mais comme elle était très blonde, celles qui étaient jalouses publièrent qu'elle était rousse. Car il y a en France un préjugé d'après lequel toutes les femmes rousses sont méchantes et ne sont pas bonnes. Les hommes roux sont également réputés méchants, mais ils sauvent la mise en portant perruque. La princesse Palatine n'est pas dupe de l'enjeu que représentent les jeunes filles gaies et belles dont elle s'entoure. Elle s'indigne dans ses mémoires que Madame de Maintenon, qu'elle déteste, qu'elle appelle la vieille ripopée, la vieille sorcière ou la vieille ordure, y ait mis fin dès la mort de monsieur. J'ai été fortement contrariée lorsque j'ai dû congédier mes filles d'honneur. J'en avais 4 ou 5 avec leurs gouvernantes et sous-gouvernantes. Elles m'amusaient,
car c'étaient de jeunes personnes fort gaies. La vieille guenipe craignait que parmi ces demoiselles, il ne pût en trouver quelqu'une qui plût au roi. Elle avait devant elle l'exemple de Ludre et de Fontange. Je n'ai gardé mes filles d'honneur qu'un an après la mort de monsieur. Le roi a toujours aimé les femmes. Si la vieille ne l'avait pas tenu si court, il lui aurait échappé, malgré toute sa dévotion. Mademoiselle de Fontange a déjà été nommée deux fois. Quand elle paraît à la cour, c'est en effet un concert d'éloges immédiat. On la voit chez madame, chez la reine, elle participe à chaque divertissement, à chaque cérémonie. L'abbé de Choisy, qui ne la ménage pas, parle de l'étonnement que suscite sa beauté surprenante et éclatante. 30 ans après la mort de la jeune femme, madame la princesse Palatine se souvient. La Fontange était une petite bête, mais elle avait un fort bon cœur et elle était belle, comme un ange. Lorsque le roi fut épris d'elle, il me fallut rester beaucoup auprès de lui, car elle m'aimait fort. La confidence a souvent été utilisée pour dénoncer la sottise de mademoiselle de Fontange. En parlant en allemand d'une Domtierchen, une sotte petite bestiole, madame, qui a le verbe haut en couleur, s'attendrit affectueusement sur la naïveté de la jeune fille qu'elle évoque, sur son innocence dans un monde d'intrigues et de coups fourrés qu'elle ne voyait pas et qu'elle n'eut pas le temps d'apprendre à voir. Elle ne porte pas de jugement sur son intelligence propre. L'allemand Ezekiel Spanheim loue quant à lui en mademoiselle de Fontange « Sa jeunesse, sa beauté, fort au-dessus de tout ce qu'on avait vu depuis longtemps à Versailles, accompagnée d'une taille, d'un port et d'un air capable de surprendre et de charmer une cour aussi galante. » La taille de la jeune fille fait d'ailleurs l'objet de la première observation à son propos qu'on trouve sous la plume de Madame de Scudéry. La belle-sœur de Mademoiselle de Scudéry, Sappho, écrit à Bussy-Rabutin le 23 novembre 1678. Mademoiselle de Fontange fait bruit à la cour. Beaucoup de gens la trouvent trop grande et Monsieur de Montausier sur tous. Bussy-Rabutin lui répond 3 jours plus tard. Je ne connais pas la femme ou la fille que vous me demandez qui fait du bruit à la cour et que Monsieur de Montausier trouve trop grande. Expliquez-le-moi, s'il vous plaît. Le succès de Mademoiselle de Fontange demeure encore discret. Mais le roi a distingué la jeune fille. Il est sensible à sa beauté. Il le déclare. Les courtisans s'empressent de le rapporter à la belle et de favoriser l'intrigue. Le passe-temps royal ou les amours de Mademoiselle de Fontange, un roman satirique des amours royales qui parut en 1681, raconte ce qui se trame. Le souverain discerne Mademoiselle de Fontange, je cite, « fille jeune, belle et aimable autant qu'il se peut, et dont toutes les manières sont si engageantes que, quelque indifférente chose qu'elle puisse dire, il semble toujours qu'elle demande le cœur. » À peine le roi a-t-il dit publiquement l'admiration que lui inspire la jeune fille, une certaine Madame de LM, les majuscules renvoient peut-être à Madame de la Motte ou d'Ancourt, le nom de jeune fille de Madame de Ventadour, s'empresse de lui porter la nouvelle et de l'inciter à y répondre favorablement. Un autre ouvrage, « Le tombeau des amours de Louis Grand et ses dernières galanteries », décrit un processus identique, même s'il évoque d'autres complices. Le roi venait-il de perdre une maîtresse en septembre 1678 ? Amour, qui fait consister son unique félicité à courir de belle en belle, prit le soin de présenter une autre conquête au roi. Ce fut Mademoiselle de Fontange, jeune et belle, dont toutes les manières étaient si engageantes que la plus indifférente charmait le cœur. Le roi prenait un extrême plaisir d'en entendre parler, se former des idées ravissantes du bonheur qu'il aurait s'il était aimé de cette aimable mignonne qu'il voyait tous les jours chez la reine ou chez madame. Et plus il la regardait, et plus ce prince en devenait amoureux. Il fit confidence au duc de Saint-Aignan sur le moyen d'entretenir seule la personne qu'il occupait si tendrement. Le duc fut ravi de l'amitié que son prince lui faisait et chercha avec empressement l'occasion de lui faire voir Mademoiselle de Fontange qui devait se trouver le lendemain aux Tuileries. Notre monarque, qui s'était mis ce jour-là le plus aimable du monde, eut une conversation particulière avec son illustre maîtresse. Ses regards lui apprirent qu'il n'était pas éloigné du bien charmant qu'il attendait. Ce fut avec tant de modestie que cette incomparable dit au roi qu'elle n'était pas insensible à tout ce qu'il sentait pour elle, qu'à la sortie des Tuileries, le marquis de Louvois, venant au devant de sa majesté pour lui communiquer quelque affaire, notre passionné prince lui dit,
en parlant de mademoiselle de Fontange, qui n'avait jamais vu une fille si fière et dont la vertu fut si grande. Si l'auteur emprunte au poncif du genre romanesque de l'époque, tous les contemporains évoquent la passion sincère, digne d'une héroïne de roman, qu'éprouve d'emblée mademoiselle de Fontange pour le roi. Comparant l'attachement de ses différentes maîtresses, la Palatine écrit « Je suis d'avis que la duchesse de la Vallière a toujours bien aimé le roi. La Montespan l'a aimé par ambition, la Soubise par intérêt, et la Maintenon par l'un et l'autre motif. La Fontange l'a beaucoup aimé aussi, mais en héroïne de roman, elle était terriblement romanesque. » Madame de Caylus, une parente de Madame de Maintenon, vint à la cour en 1681 seulement. Elle ne rencontra pas Mademoiselle de Fontange, mais elle parle, elle aussi, dans ses mémoires, des idées romanesques, le mot est sous sa plume, de celle-ci. Madame de Fontange aima véritablement le roi. Elle répondit un jour à Madame de Maintenon qui l'exhortait à se guérir d'une passion qui ne pouvait plus faire que son malheur. « Vous me parlez, lui dit-elle, de quitter une passion comme on parle de quitter un habit. » La hauteur de la réponse laisse juger de la fierté de la jeune fille et de son entêtement. Bien digne, en somme, d'une petite bête, pour reprendre l'expression de la princesse Palatine. Mademoiselle de Fontange résista, semble-t-il, d'abord au roi. Madame de Caylus rapporte que Madame de Montespan s'en mêla rapidement, car, je cite, « son caractère plus ambitieux que tendre lui avait souvent fait regarder avec indifférence les infidélités du roi. » Ainsi la favorite va-t-elle jusqu'à les orchestrer plutôt que de voir le souverain lui échapper. Selon Madame de Caylus, elle contribua donc, je cite, « à fortifier les commencements du goût que le roi avait pris pour la beauté de Madame de Fontange. » La narratrice continue. « J'ai ouï dire qu'elle l'avait fait venir chez elle et qu'elle n'avait rien oublié pour la faire paraître plus belle aux yeux du roi. » En octobre, la cour se rend à Versailles pour le mariage du duc de Sforza avec Louise Adélaïde de Damas de Tiange. Selon La France galante, un ouvrage satirique paru en 1688, le roi fait offrir à Mademoiselle de Fontange pour l'occasion, je cite, « un habit dont la richesse ne se peut priser, non plus que l'éclat de la garniture qui l'accompagnait ne se peut trop admirer. » Il accompagne ce présent d'un fil de perles et d'une paire de boucles d'oreilles de diamants de grand prix. Mais la machine à ragots ne se met véritablement en branle qu'au début de l'année 1679, quand la faveur du roi devient une évidence. Le Mercure galant raconte la mascarade donnée par le monarque dans l'hôtel de l'évêque prince de Strasbourg à l'occasion du carnaval. Mademoiselle de Fontange est au centre des regards. Vous aurez sans doute entendu parler de la mascarade dont Monseigneur le Dauphin a honoré Monsieur de Strasbourg et du grand bal qui a été donné 3 jours après à Saint-Germain dans la salle des opéras où personne n'entra sans être masqué. Mademoiselle de Beauvais et Mademoiselle de Fontange, fille d'honneur de Madame, étaient de la mascarade et comme elles devaient faire de la dépense pour y paraître avec Monseigneur le Dauphin, le roi leur envoya à l'une et à l'autre une bourse dans laquelle elles trouvèrent de quoi y fournir. Il usa de la même libéralité dans l'occasion du bal envers Mademoiselle des Adrets et Mademoiselle Potier, pareillement fille d'honneur de Madame. Je vous parlerai de ces deux grands divertissements et de tout ce qui s'y est passé avant que de finir cette lettre. Il y a quelque temps que je vous fis la peinture de Mademoiselle de Fontange. Elle était juste sur ce que je vous fis savoir de son mérite et de sa beauté. Mais je me trompais en vous disant que les yeux de cette admirable personne étaient bleus. J'avoue que je ne l'avais pas assez bien considéré, et que m'étant laissé éblouir à un éclat que peu de belles ont aussi brillant, ses cheveux châtain clair, qui étaient fort poudrés, me parurent blonds et me firent croire en même temps qu'il y avait du bleu dans ses yeux. Cependant, elle les a noirs, doux, perçants et pleins de feu. Ne vous étonnez pas, madame, si je me rétracte. On a quelques croyances aux lettres que je vous écris quand elles sont devenues publiques. Les articles que j'y emploie font assez souvent faire des gageures et je suis obligé par là d'être fort exact, jusque dans les moindres circonstances des choses dont je vous parle. Mademoiselle de Fontange n'est pas l'unique récipiendaire de la faveur royale, mais la façon dont l'auteur du texte éprouve le besoin de revenir sur la description qu'il a déjà faite d'elle en octobre manifeste qu'elle se distingue des autres jeunes filles.
Les fêtes organisées au palais royal sont somptueuses. Le lit donne son bel air au fond, feux d'artifice, médianoches et bals se succèdent. Le duc de Saint-Aignan lit en public un poème intitulé « Triomphe de l'amour sur le cœur d'Iris » qui évoque à mots couverts la passion de Mademoiselle de Fontange pour le souverain. Est-ce à ce moment que, laissant Madame de Montespan perdre des millions au jeu, le roi s'éclipse une nuit pour aller retrouver Mademoiselle de Fontange, comme le raconte Primi Visconti. Pourtant, il laissait faire Madame de Montespan pour l'endormir, afin qu'elle ne pût découvrir ses projets à l'égard de Mademoiselle de Fontange. Il alla donc à Paris la nuit, escorté seulement par quelques gardes du corps, et s'est rendu au palais royal. Mademoiselle Desadrais ouvrit la porte de l'appartement des filles de Madame, ses compagnes, et ce fut la première fois que le roi posséda Mademoiselle de Fontange. Malgré l'obscurité, le roi, en s'en retournant, fut aperçu par ceux qui se lèvent de bon matin. Lorsqu'il était à Saint-Germain, il se rendait aussi de nuit par les parcs, au Château-Neuf. Observé une fois par quelqu'un, il le fit suivre et arrêter par ses gardes. C'était Villeroy. Cette circonstance valut à Villeroy d'être éloigné de la cour pendant quelque temps. Du reste, le roi lui avait déjà pardonné plusieurs fois en considération du maréchal, son père, qui avait été son gouverneur pendant sa minorité. À cette date, la cour réside à Saint-Germain-en-Laye. Le roi habite au Château Vieux, Mademoiselle de Fontange reçoit un appartement au Château Neuf. Plusieurs personnalités ont été témoins des allées et venues du roi qu'évoque Visconti. Celui-ci attribue au monarque, conscient du scandale de sa conduite, les mots sont de Primi Visconti, le souci de faire preuve de discrétion dans sa nouvelle liaison. Aussi des arrangements sont-ils trouvés. On donna alors à Mademoiselle de Fontange l'appartement contigu au cabinet du roi. Il y avait un lustre toujours allumé. On lui avait apprêté une chambre à part dans la garde-robe au-dessus de la chambre du roi. Le roi montait, ou bien c'était elle qui descendait, un petit escalier qui s'y trouvait entre la chambre et les cabinets. Mais en public, le roi, faisant semblant de ne pas la connaître. Entre incertitude et marque de faveur explicite, la correspondance de Bussy-Rabutin commence à s'enflammer, faisant songer au prix du secret dont la princesse de Clèves fit un éloge désespéré à la même date. Jean Corbinelli, un ami de Bussy-Rabutin qui loge chez Madame de Sévigné, observe. Vous savez, toutes les nouvelles générales et particulières. On parle de changement d'amours à la cour. Le temps nous en éclairera. Bussy ne tarde pas à lui répondre. On me mande qu'on se réjouit fort à Saint-Germain et qu'on y a grand-peur de Pâques. Cela peut aussi bien regarder les nouvelles que les anciennes amours. Et bientôt, les relations se tendent entre Madame de Montespan et la jeune fille qui lui échappe. Bussy ironise avec délice sur la rivalité entre celles qu'il appelle les deux sultanes. Les deux sultanes ne me paraissent plus en si bonne intelligence qu'au commencement. Je crois qu'à la fin, la jalousie brûlera le sérail. Sa hautesse me paraît allumer le feu auprès de la nouvelle qu'il va éteindre auprès de l'ancienne. Bussy fait preuve de dérision en appelant le roi sa hautesse, puis en relatant l'évolution d'une vie sentimentale qui fait de lui le banal partenaire d'un ménage à la sauce bourgeoise. Madame de Montespan partit brusquement de Saint-Germain mercredi 15 de ce mois pour Paris. On dit qu'il y a quelques brouilleries dans le ménage et que cela vient de la jalousie qu'elle a d'une jeune fille de madame, appelée Fontange, dont le roi, dit-on, a déjà eu contentement. Car vous savez, les rois qui désirent ne soupirent pas longtemps. Il faut voir la suite. Après l'aventure de Duludre, je me méfie fort d'un bon succès à ses nouvelles amours. Si des doutes persistent encore en mars sur le sérieux de la nouvelle intrigue de Louis XIV, Bussy confie à son ami Trichateau le 1er avril qu'une partie de Basset, un jeu de cartes très en vogue, a eu raison des derniers sentiments du roi pour Madame de Montespan. Précisément, Primi Visconti racontait que Madame de Montespan jouait des sommes folles à la Basset quand le roi alla voir Mademoiselle de Fontange dans sa chambre pour la première fois. Les deux témoignages concordent et suggèrent que Mademoiselle de Fontange devint bien la maîtresse du roi en mars 1679. Désormais, Louis XIV passe pour amoureux. Le mot est sous la plume de Trichateau le 14 avril, qui parle toutefois d'une femme de madame, sans plus de précision. Dans la même lettre,
Il informe Bussire à Butin que le roi a fait ses Pâques. Ses scrupules de conscience et les reproches de son confesseur ne l'ont donc pas conduit à s'abstenir de communier à cette fête, qui est la plus importante de l'année religieuse à l'époque moderne. Trichateau, enfin, rapporte la disgrâce de Madame de Montespan. Elle maintient les apparences, le roi la comble de faveurs, il la nomme surintendante de la maison de la reine, mais les faits sont là. Elle a perdu, elle parle de tout quitter, de se retirer à l'abbaye de Fontevraud, aussi entre la religion et un opportun raccommodement avec son mari. Une partie de chasse, où le roi s'isole avec Mademoiselle de Fontange, somptueusement parée, défraie la chronique. L'événement fait l'objet de longues descriptions dans les deux ouvrages « Le passe-temps royal » et « Le tombeau des amours de Louis le Grand ». Ce dernier décrit le justaucorps de broderie et la coiffure de plumes vertes que porte la jeune femme. Il est émouvant de trouver la mention, dans l'inventaire après décès de ses biens, de plusieurs habits de chasse, dont un habit de chasse de satin vert, brodé d'or et d'argent grisé. Le passe-temps royal informe son lecteur que la suite a fait connaître que nos amants ne se retirèrent ainsi tous deux que pour faire un tiers. Mademoiselle de Fontange, commençant alors d'être incommodée de nausées et de névralgies qui sont interprétées comme les symptômes d'une grossesse. Le texte conclut, goguenard, « Tous les moments de retraite ne se passent pas dans l'oisiveté ». C'est aussi à cette date que Mademoiselle de Fontange, ayant rattaché ses cheveux dérangés par le vent, avec un ruban dont les nœuds venaient sur son visage, et le roi ayant aimé cette coiffure improvisée, toutes les dames l'imitèrent. Ainsi naquit la célèbre Fontange. Dans sa retraite de Bourgogne, Bussire à Butin continue de suivre de près chaque développement de la royale romance. Le 12 juin, il claironne auprès de sa cousine Madame de Sévigné. Je sais toutes les nouvelles de la guerre et de l'amour. La première va finir et celui-ci recommence. Bon, le parterre aime les changements de théâtre. Les nouvelles amours vont bon train, écrit-il le lendemain à son ami Trichateau. Le 18 juin, Madame de Montmorency l'informe à son tour. La violente passion du roi pour Madame de Montespan n'est plus rien. Celle-ci commence à paroître consolée devant le monde. Cependant, on dit qu'il y a des moments où elle pleure amèrement. Et cela, après des conversations qu'elle a eues avec le roi. J'ai ouï dire qu'elle serait tombée plus bas sans Monsieur Colbert. On ne parle point de la nouvelle maîtresse. Le bruit est que c'est parce qu'elle est grosse. Je suis bien fâchée de vous dire que Marsillac entre seul dans cette affaire, dont le roi fait le dernier secret. Ce changement de passion, les mots sont de Bussire à Butin dans sa réponse du 22 juin à Madame de Montmorency, le rend fortaise. Comme au théâtre, la scène, dit-il, lui paraissait languir. Il est à cette occasion beaucoup question du prince de Marsillac, le fils de François VI de La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes. Le prince, maître de la garde-robe du roi, est le confident de ce dernier. Il joue, de la vie générale, le rôle d'entremetteur. La charge de grand veneur qui lui est attribuée en 1679 paraît une récompense pour avoir pris Mademoiselle de Fontange dans ses toiles, c'est-à-dire dans ses filets, selon l'abbé de Choisy. Si Bussire à Butin se réjouit le 27 juillet d'une promotion dont il est question pour Bossuet, il n'en va pas de même à propos de celle de Marsillac. Je ne le suis pas tant des prospérités de Marsillac. Ce n'est pas que je l'envie, mais je le hais, comme vous savez. Et rien n'empêche la haine. Après le tour qu'il a fait à Madame de Montespan en faveur de Fontange, le roi devrait craindre, s'il devenait malheureux, qu'il ne lui tournât le dos en faveur de quelque autre dont il aurait plus d'avantages à espérer, etc. Il est intéressant d'écouter ces textes, car à cette date, il n'est encore presque jamais question de Mademoiselle de Fontange que de biais, dans la mesure où le règne de Madame de Montespan semble véritablement terminé. C'est ce règne qui suscite la curiosité. Mademoiselle de Fontange elle-même, donna-t-on au roi de la passion, pour elle, n'attire guère l'attention. Et cela alors même qu'on soupçonne qu'elle est enceinte. Madame de Montmorency revient le 28 juillet sur la nouvelle de cette grossesse qu'elle avait annoncée un mois plus tôt, mais pour la démentir. Aussitôt, elle reprend le sujet de Madame de Montespan. Fontange n'est point grosse comme on l'avait cru. Le roi l'aimait perdument, dont Madame de Montespan en rage. Sa Majesté et elle sont comme des amis qui ne s'aiment guère et qui tiennent seulement par une longue habitude.
Marcillac est confident encore de la nouvelle passion. Il est bien payé de ses peines. Personne ne semble donc penser que Louis XIV puisse s'attacher durablement à Mademoiselle de Fontanges. Le flou des nouvelles à son propos s'explique par la manière dont le roi s'efforce de la tenir dans l'ombre. C'est pour Bussy-Rabutin le seul charme d'une liaison qui le laisse incrédule. Je ne doute pas que le roi n'ait de grands empressements pour Mademoiselle de Fontanges. Tous les commencements de passion font ce même effet. On me mande que personne ne parle de cette nouvelle affaire. C'est que le roi veut trouver du plaisir dans le mystère. Il a raison, mais je doute qu'il en puisse venir à bout. Il n'y aura que cela qui puisse faire durer cette galanterie. Doute et pessimisme sur le sort de Mademoiselle de Fontanges, qui ne serait qu'une passade, sont levés au cours de l'été et du séjour de la cour à Fontainebleau. Le mariage de Mademoiselle, la nièce du roi, fille de son frère Philippe et de sa première épouse Henriette d'Angleterre, avec le roi Charles II d'Espagne, y est célébré le 31 août. La mariée est ravissante, gracieuse, elle a 17 ans. Elle est désespérée. Elle épouse un homme prognate, chétif et malade, victime de mariages consanguins successifs, dont le déplorable état de santé est attribué par ses contemporains à une malédiction diabolique. On l'appelle l'ensorcelé. C'est dire s'il devait être disgracié. Mademoiselle se désole, mais lors des cérémonies, les regards se tournent autant sur l'éploré que sur la nouvelle favorite, dont la promotion éclate. Sophie de Hanovre, la tante de la princesse Palatine, en visite en France, raconte. Pour le roi, il regarda Mademoiselle de Fontanges avec plus de dévotion que l'autel. Elle était dans une tribune en haut de son côté, ce qui lui fit souvent hausser la tête. La Montespan, dont la faveur était sur son déclin, était placée sur le même rang, éloignée de sa rivale, dans un fort grand négligé avec des coiffes bridées, dans un morne chagrin de voir triompher une plus jeune qu'elle, qui était fort ajustée et paraissait fort gaie. Le contraste entre Madame de Montespan, mise austèrement, et la grâce de sa jeune rivale est dans un monde qui sait lire les signes sans appel. Le 4 août, Sophie de Hanovre se souvient encore. J'ai vu la cérémonie dans une tribune vis-à-vis de celle où était Madame de Montespan, dans son négligé avec des coiffes bridées et une écharpe noire. Au même rang, assez éloignée d'elle, je vis Mademoiselle de Fontanges, fort avantageusement mise avec son bréviaire à la main, qui lui servait de contenance pour jeter les yeux en bas sur le roi, qu'elle aimait sans doute plus que le roi des rois, ce qui n'était pas étonnant, car il est fort aimable. Primi Visconti est également marqué par le sentiment d'une comédie qui triomphe. Le roi vivait avec ses favorites, chacune de son côté, comme dans une famille légitime. La reine recevait leur visite, ainsi que celle des enfants naturels, comme si c'était pour elle un devoir à remplir. Car tout doit marcher suivant la qualité de chacune et la volonté du roi. Lorsqu'elle assistait à la messe à Saint-Germain, elle s'est placée devant les yeux du roi. Madame de Montespan avec ses enfants sur la tribune à gauche, vis-à-vis de tout le monde, et l'autre à droite, tandis qu'à Versailles, Madame de Montespan était du côté de l'Évangile et Mademoiselle de Fontanges, sous des gradins, élevée du côté de l'Épître. Elle priait, le chapelet ou leur livre de messe à la main, levant les yeux en extase comme des saintes. Enfin, la cour est la plus belle comédie du monde. Désormais, Mademoiselle de Fontanges a des gardes, apprend Madame de Scudéry à Bussy-Rabutin le 15 septembre. Son statut devient donc officiel. Le 25 septembre, Madame de Montmorency écrit toujours à Bussy-Rabutin. On installe à la favorite un hôtel à Saint-Germain-en-Laye, lieu de résidence ordinaire de la cour. Le roi est fort amoureux de Fontanges. Rien n'est plus magnifique que le sera la maison de cette belle. On y travaille nuit et jour avec de grands soins. À la mort de la jeune femme, deux inventaires scrupuleux de ses biens sont menés. Pour la petite histoire, le notaire, alors embauché pour représenter le frère de Mademoiselle de Fontanges, à qui son père a donné pouvoir pour le représenter, est un certain Arouette, c'est-à-dire le père de Voltaire. Au fil des déambulations des notaires, on peut entrevoir l'hôtel de Mademoiselle de Fontanges proche de la porte Trompette, et surtout l'appartement dont elle dispose au Château-Neuf, aujourd'hui détruit.
Ce logement se trouve dans un pavillon et comporte, selon l'inventaire qu'il évoque, une petite salle basse, une petite chambre ayant vue sur la cour, deux chambres au premier étage ayant aussi vue sur la cour, une troisième qui donne sur le château et une quatrième sur l'avant-cour du château. Ces inventaires évoquent tour à tour une chaise à porteur couverte de cuir noir et de velours à ramages aurore et bleu, une guitare dans son étui, une chaise d'affaires, c'est-à-dire une chaise percée de damas rouge, un cabinet d'ébène garni d'argent, mais aussi une pendule à colonne, une chocolatière, des ustensiles divers de la vaisselle de vermeil, d'argent, ou bien une petite tasse de cristal de roche à deux anses, garnie, et elle se trouve dans un étui de cuir noir, explique le notaire. Cette liste à l'après-verre est touchante, alors que dans le même temps, Bussy Rabutin, constatant le triomphe de Mademoiselle de Fontange, les critiques commencent à naître sous sa plume. La réussite exacerbe des attentes impossibles à combler, elle suscite la jalousie. La discrétion relative mais réelle dont le roi continue à faire preuve avec sa favorite, fut-elle enceinte, donne prise encore à des doutes sur la nature de son attachement. La nouvelle passion, qui croît encore tous les jours, peut fort bien faire en faveur de la nouvelle maîtresse tout ce qu'on a fait pour les deux autres, et même encore plus. Mais je serais bien trompé si elle dure, car il faut de l'esprit pour faire durer l'amour, et Fontange est bien jeune pour en avoir. Cette lettre date du 21 septembre. Le 15 décembre, Bussy reprend. La nouvelle maîtresse est grosse. On dit que la passion du roi pour elle est fort diminuée. Cela ne me surprend pas. J'ai toujours cru qu'il fallait de l'esprit à la maîtresse pour faire durer un amour jouissant, et surtout avec un honnête homme. La question de l'esprit de la jeune fille apparaît avec insistance. Mais manquer d'esprit, c'est-à-dire de répartie, de talent dans la conversation, n'avoir pas à 20 ans le don du bon mot assassin n'est pas une preuve de bêtise comme on voudra le dire plus tard. C'est autre chose. Contre les pronostics sombres de Bussy Rabutin, la nouvelle année 1680 et les présents échangés pour les étrennes marquent l'éclat de la faveur dont jouit Mademoiselle de Fontange. Cette fois, Madame de Sévigné elle-même participe au commérage. Le 5 janvier, ainsi. Pour la personne qu'on ne voit point et dont on ne parle point, elle se porte parfaitement bien. Elle paraît quelquefois comme une divinité. Elle n'a nul commerce. Elle a donné des étrennes magnifiques à la devancière et à tous les enfants. C'est pour récompenser des présents du temps passé qui n'avaient point été rendus. Parce qu'en ce temps-là, les louis étaient moins fréquents. Le 10, 5 jours plus tard, Mademoiselle de Fontange est d'une beauté singulière. Elle paraît à la tribune comme une divinité. Madame de Montespan de l'autre côté, autre divinité. La singulière a donné pour 6000 pistoles d'étrennes. 12 janvier. Je vous ai parlé de toutes les beautés, de toutes les étrennes. Fontange en a donné pour 20 000 écus, sans que la pensée lui soit venue de faire un présent à Madame de Coulanges, qui a pris 1000 peines pour les présents qu'elle a faits aux autres. Son étoile est assez plaisante sur tout, car les choses les plus aisées à comprendre sont devenues inconcevables. Le 15, c'est au tour de Bussy Rabutin d'écrire à son ami La Rivière. Le roi a donné à monsieur 200 000 francs en bonnes étrennes. Mademoiselle de Fontange a donné un agenda tout couvert de pierreries à Madame de Montespan. Je doute que cela lui attire son amitié. Elle a encore donné des étrennes à toutes les filles de Madame. Elle paraît en public plus qu'elle ne faisait, et le jour de l'an, on la vit à la messe du roi, extraordinairement parée de pierreries, sur un habit de même étoffe que celui de sa majesté, avec des rubans bleus, tous deux. Madame de Roussy, sa sœur, est à l'abbaye au bois. On parle de la marier à quelques grands seigneurs de la cour. Vous croyez bien qu'elle choisira si le roi parle. Tous les courtisans participent à l'avènement de la nouvelle favorite. La Fontaine consacre à Mademoiselle de Fontange des quatrains dans un almanach offert à Madame de Montespan, montrant que l'accord de celle-ci est requis. Dans une autre pièce de verre, il qualifie Mademoiselle de Fontange de jeune merveille et de divin objet façonné au ciel. Peu de jours après le début de l'année, probablement le 7 janvier 1680, Mademoiselle de Fontange accouche d'un garçon. L'événement a lieu discrètement, à l'inverse des couches naguère de Madame de Montespan. L'enfant
meurt presque aussitôt. Madame de Sévigné écrit ainsi le 17 janvier. Le chevalier a été à la noce. Il ne tiendra qu'à lui de vous faire de beaux récitatifs. La belle Fontange n'y parut point. On dit qu'elle est triste de la mort d'une petite personne. Adieu, ma très chère et très aimable. Cruellement, une chanson satirique fait écho à l'événement. On en a conservé les paroles, la musique est encore disponible. Jean-Paul Combé, le directeur de l'Académie Bach, à Arc-la-Bataille, et le claveciniste Bertrand Cuiller l'ont reconstitué pour nous. Notre place, blanche et bien faite, qui ne fait rien que de parfait, langue de l'évêque, de travailleur, plus qu'à demi, langue et l'élu. Sa jeune maîtresse, dit-on, a mis au monde d'un avorton, langue et l'évêque, la grosse en a, le cœur bouffi. La maternité de la favorite n'a pas attiré la compassion. Mais le souverain multiplie les présents envers elle, peut-être d'ailleurs pour la consoler. Alors que la cour s'apprête à faire un voyage de 2 semaines et demie dans l'Est pour accueillir la future épouse du dauphin, Louis XIV offre à Mademoiselle de Fontange un somptueux équipage. Madame de Sévigné emprunte au registre du conte de fées pour évoquer la stupéfaction de la cour. Sa Majesté partit lundi avec toute la cour pour nous aller quérir cette princesse. Il se trouva dans la cour de Saint-Germain le matin un très beau carrosse, tout neuf, à 8 chevaux, avec des chiffres, plusieurs chariots et fourgons, 14 mulets, beaucoup de gens autour habillés de gris. Et dans le fond de ce carrosse monta la plus belle personne de la cour avec des adresses seulement. Et des carrosses de suite pour leurs femmes. Il y a apparence que, les soirs, on ira voir cette personne. Et voilà un changement de théâtre. Cette première lettre date du 28 février. 3 jours plus tard, elle reprend sur le sujet à l'intention de sa fille, tout en mentionnant de nouveau le caractère privé que le roi entend conserver à ses amours. Cette discrétion est donc sans incidence sur ses sentiments. La cour tout entière est en chemin. Bien des gens sont allés à la campagne. Nous avions résolu d'y aller aussi, dans l'espérance que le soleil serait fidèle au roi. Mais le temps vient de changer d'une si terrible manière que je ne sais plus ce qui arrivera de nous. On mande qu'on s'est fort diverti à Villers-Cotterêts. Je ne vois pas que les visites à ce carrosse gris aient été publiques. La passion n'en est pas moins grande. Il y a eu 10 000 louis d'envoyés. Et un service de campagne de vermeil doré. La libéralité est excessive, et on répand comme on reçoit. Mademoiselle de Fontange se voit nantie d'un équipage plus splendide que sa devancière, qui n'a eu que 6 chevaux, comme la reine. Par métonymie, la jeune femme devient, sous la plume de Madame de Sévigné, qui trouve là un moyen discret de la rabaisser en la chosifiant, le char gris. Les inventaires des biens de Mademoiselle de Fontange, en juin 1681, font mention de 9 chevaux de carrosse gris pommelé, ainsi que de 6 autres chevaux de carrosse B, de 3 chevaux de selle et 2 mulets, installés dans l'écurie de la maison à l'enseigne Saint-Adrien, rue Saint-Jacques, près de Port-Royal, qui est mise à sa disposition. Il se trouve aussi dans ce local 2 carrosses avec leurs glaces et leurs coussins de velours. Fin de l'hiver 1680. Mademoiselle de Fontange resplendit dans son carrosse, dans les toilettes somptueuses décrites par les mêmes inventaires que j'ai mentionnés. Robe couleur de feu, couleur de rose, couleur de cerise, robe bleue, violette, verte, noire ou blanche, parmi des robes de chambre de satin bleu brodées d'or et d'argent grisé, d'habits de chasse, vert, bleu ou noir. Robes et jupes sont en taffetas, en crépon, en panne, en soie, en velours épais, en brocart. Mademoiselle de Fontange a un balandron, c'est-à-dire un manteau de pluie long, sans manches, couleur de feu, avec sa boutonnière, précise l'inventaire. Elle a des chapeaux, des garnitures, des chemises, du linge de corps fin, chez elle ou chez sa lingère. Elle a, néanmoins, du mal à se remettre d'un accouchement qui dut être difficile. On l'épie quand elle est trop faible pour danser et doit se retirer. Par exemple, le 28 février, à un bal masqué. Madame de Sévigné raconte.
On me dit de banlieue, en partant de Paris, qu'il y avait eu un bal à Villers-Cotterêts. Il y eut des masques. Mademoiselle de Fontanges y parut brillante et parée des mains de Madame de Montespan. Cette dernière dansa très bien. Fontanges voulut danser un menuet. Il y avait longtemps qu'elle n'avait dansé, il y parut. Ses jambes n'arrivèrent pas comme vous savez qu'il faut arriver. La courante n'alla pas mieux. Et enfin, elle ne fit plus qu'une révérence. Je vous manderai tantôt ce que j'apprendrai à Paris. Significativement, les livraisons du Mercure galant de la période ne la nomment pas à propos des cérémonies qui ont lieu. Elle ne doit pas s'y trouver. Le 20 mars, Madame de Sévigné raconte cependant une anecdote qui prouve l'attachement de Mademoiselle de Fontanges au roi et le plaisir que ce dernier en tire. Le char gris est d'une beauté étonnante. Elle vint l'autre jour au travers d'un bal, par le beau milieu de la salle, droit au roi, et ne voyant ni à droite ni à gauche. On lui dit qu'elle ne voyait pas la reine. Il était vrai. On lui donna une place. Et quoique cela fît un peu d'embarras, on dit que cette action d'une embevecida fut extrêmement agréable. Il y aurait 1000 bagatelles à compter sur tout cela. Mais de vives pressions sont exercées sur le roi pour qu'il réforme sa conduite. Le sermon sur l'impureté que le père Bourdaloue, brillant prédicateur de la Compagnie de Jésus, prononce pour le carême de 1680 ou peut-être de 1682 en est un exemple saisissant. Quand un homme se laisse emporter à l'ambition, c'est un homme qui pêche, mais qui pêche en ange, parce que l'ambition est un péché spirituel. Quand il succombe à l'avarice, c'est un homme qui pêche, mais qui pêche en homme, parce que l'avarice est un dérèglement de la convoitise qui n'appartient qu'à l'homme. Mais quand il s'abandonne au désordre de la chair, il pêche, et il pêche en bête, parce qu'il suit les mouvements infâmes d'une passion qui lui est commune avec les bêtes. Or, s'il pêche en bête, il n'a plus de lumière dans son entendement. Il est donc réduit à l'état pitoyable de Nabuchodonosor. Il est même réduit à l'état des bêtes. Je ne dis pas assez. Il est dégradé au-dessous de la condition des bêtes, puisqu'il n'y a point d'autre différence entre lui et elle, sinon qu'il est un criminel dans ses emportements sordides, ce que les bêtes ne peuvent être. Il perd la connaissance de soi-même. Il perd la connaissance de son propre péché. Il perd la connaissance de Dieu. Peut-on se figurer un plus déplorable aveuglement? Ce péché est la source de tous les désordres qui naissent dans le monde. C'est ce péché qui a troublé les États, désolé les provinces, ruiné des villes entières, alarmer les familles, jeter la division dans les armées les plus affermies. Il ne faut que deux créatures pour remplir une ville de querelles et de jalousies, de perfidies, de railleries sanglantes, de calomnies, de médisances et de chansons déshonnêtes, de dissensions, de haines et de meurtres, de batteries, de scandales et de péchés. C'est ce péché qui a fait naître tant de schismes et toutes les hérésies qui ont partagé l'Église. Mais quoi, me dira quelqu'un, faut-il donc que ces pécheurs désespèrent et après leur avoir fait l'horreur de l'abîme où ils se sont précipités, ne leur donnerez-vous point de moyens pour s'en retirer? Leur mal est-il sans remède? Non, messieurs, je ne prétends pas les renvoyer sans remède. L'un des plus puissants remèdes et la fréquentation des sacrements, de la pénitence et de l'Eucharistie. Secondement, à l'exemple du centenier, priez le Fils de Dieu de daigner nous faire l'honneur de venir chez vous, c'est-à-dire approcher du sacrement adorable de nos autels pour y recevoir celui qui est la source de toute pureté. Troisièmement, l'humilité d'esprit est un des meilleurs remèdes pour guérir cette maladie honteuse. Dites avec le centenier, Domine non sum dignus. Quatrièmement, la confiance aux prières et aux intercessions des saints que vous prendrez pour vos patrons et avocats auprès de Dieu pour obtenir par leurs moyens la grâce d'une sincère et solide conversion.
Enfin, un des plus puissants et des plus infaillibles remèdes pour pouvoir sortir de ce maudit péché, c'est la mortification de la chair et des sens que vous devez considérer comme vos plus pernicieux ennemis, puisque c'est pour leur satisfaire que vous vous êtes abandonné au péché. Il faut vous résoudre une bonne fois de faire une guerre continuelle à votre chair qui est la cause de votre perte. Il faut faire état de traiter votre corps comme un malade, en lui refusant ce qu'il demande avec le plus d'empressement et en lui donnant ce qu'il a le plus d'horreur à prendre. Fuyez toute délicatesse, fuyez tout ce qui est capable de flatter la chair dans le vivre et dans les habits. Traitez vos sens comme des esclaves, portez la mortification du Fils de Dieu sur tous les membres de votre corps. Et par ce moyen, ayant déraciné le péché dans votre âme, vous y ferez succéder la grâce en cette vie qui vous procurera gloire en l'autre. Amen. Alors que le roi l'a fait duchesse, Mademoiselle de Fontanges part le 9 avril s'installer à l'abbaye de Maubuisson, dont l'abbesse est une parente de Madame. Aux yeux de Madame de Sévigné, cette retraite est due à la sévérité du confesseur de la jeune femme. Les religieuses ne l'accueillent pas sans réticence. Aussi ne se rend-elle pas à Maubuisson exactement en pénitente dépouillée, dont Philippe Gouraud de la Proustière, prieur de Saint-Victor, raconte dans ses mémoires. Elle vint dans cette maison avec un équipage digne de celui qui lui envoyait une foule de vaisselle d'argent, relevé du manteau ducal, dont les plus grands de la cour qui la venaient complimenter sur cette nouvelle qualité s'étonnaient. C'était un train magnifique qui occupait le dedans et le dehors de cette grande maison, des religieuses de Farmoutier à sa suite, une cuisine royale. Elle avait aussi un cœur de reine pour sa générosité et pour son honnêteté, gagnant les cœurs d'un chacun. Il semblait aussi, par quelque instinct, que le roi, ne la devant pas gouverner longtemps, recueillit en peu de temps tout ce qui pouvait relever une simple créature qui avait mérité son affection, car il la combla de toutes les grâces possibles. Elle se confessa à un capucin qui lui envoya offrir son service, les confesseurs de l'abbaye ne s'étant point trouvés. Le jour de Pâques, un autre capucin vint pour dire la messe à la chapelle qui répond à sa chambre. Quand se vint pour la communier, il n'avait point consacré d'hostie. On courut pour chercher quelques prêtres pour lui apporter de l'église. On ne les trouva point. Enfin, le sacristain parut et contribua à sa communion, ayant fourni d'hostie. Elle s'étonnait dans ses discours familiers comme l'on pouvait communier sans disposition. Elle disait qu'elle serait quelque jour capucine. Et quoiqu'elle ne perdît pas le souvenir des bonnes grâces du souverain dans sa retraite d'un mois dans ce monastère, notre Seigneur travaillait à son salut, dont il en jeta les fondements dans cette sainte compagnie qui se peut vanter qu'elle a été l'instrument de la vocation de Dieu, tant par ses bons discours que par les exercices de piété, de ses libéralités et aumônes, que par les bons exemples de modestie, de retenue, qui bannissaient la curiosité, et par la solitude de ces bonnes âmes que la vue ni le faste du siècle auquel elles sont accoutumées et sujettes n'altèrent point, n'en aimant point le parloir davantage, ne sortant point de leur cellule au bruit des princesses, tant s'en faut. Par un effet tout contraire, la vue leur en donne du dégoût, qui va jusqu'à l'aversion, notre Seigneur se servant d'un moyen pour les affermir dans leurs conditions, qui en troublerait tout autre. Madame de Fontanges, ayant séjourné un mois dans cette maison qui fut le berceau de son salut, et en sortit avec une tendresse et reconnaissance incroyable dans le désir de leur faire 1000 présents. Don Gouraud de la Proustière souligne le faste qui entoure la jeune femme, mais il insiste aussi dans son texte sur la piété de Mademoiselle de Fontanges, qui juge qu'on ne peut pas communier sans en éprouver une sérieuse disposition. Nul n'a relevé le trait. Il n'est pourtant pas sans vraisemblance. Mademoiselle de Fontanges avait quitté Farmoutier depuis 2 ans seulement.
amoureuse, aimant la splendeur, mais élevée dans une piété exigeante, malade et consciente de la précarité de sa situation, elle ne pouvait guère s'abstenir de toute réflexion. Pour Don Gouraud, le séjour à Maubuisson est le lieu d'un premier retour sur soi de la part de la jeune duchesse. Les mauvaises langues jasent pour leur part. La retraite de Mademoiselle de Fontanges n'est-elle pas une disgrâce? Le tabouret de duchesse, un élégant limogeage? Lucie Rabutin pense qu'elle ne reviendra pas à la cour, car elle souffre aussi de pertes de sang peu ragoûtantes et persistantes évoquées par Madame de Sévigné. Ce médecin forcé traite Madame de Fontanges d'une perte de sang très opiniâtre et très désobligeante, dont ses prospérités sont troublées. Ne trouvez-vous pas que voilà encore un beau sujet de réflexion pour en revenir à ce mélange continuel de maux et de biens que la Providence nous prépare afin qu'aucun mortel n'ait l'audace de dire « je suis content » Ce mal est bien propre à troubler la joie et le repos au milieu des biens et des dignités. 3 jours plus tard, le 1er mai, les nouvelles ne sont pas meilleures. J'ai vu Madame de Vince. Elle est abîmée dans ses procès. Nous causâmes pourtant beaucoup. Nous admirâmes cet étrange mélange des biens et des maux et l'impossibilité d'être tout à fait heureuse. Vous savez tout ce que la fortune a soufflé sur la duchesse de Fontanges. Voici ce qu'elle lui garde. Une perte de sang si considérable qu'elle est encore à Maubuisson, dans son lit, avec la fièvre qui s'y est mêlée. Elle commence même à enfler. Son beau visage est un peu bouffi. Le prieur de Cabrières ne la quitte pas. S'il fait cette cure, il ne sera pas mal à la cour. Voyez si tout cela n'est pas précisément contraire à l'état d'une pareille beauté. Voilà de quoi méditer. L'origine des maux de Mademoiselle de Fontanges demeure encore incertaine. Séquelles de son accouchement, premier symptôme d'une tuberculose intestinale qui va l'emporter un an plus tard. Une des demoiselles d'honneur de Madame, avec laquelle Mademoiselle de Fontanges était amie, Mademoiselle des Adrets, évoquée par Primi Visconti, en mourut en août 1680. Dans une lettre du 18 mai, Madame de Sévigné évoque le mal de poitrine de la belle duchesse de Fontanges. L'expression est de l'épistolière qu'il a dit quasi guérie à cette date, grâce à un médecin en vogue, le prieur de Cabrières. Le 6 mai, c'est la surprise. Belle Beauté revient à la cour, elle y tient sa place, Mademoiselle de Fontanges est revenue et elle est plus belle que jamais. C'est la beauté la plus considérable qui soit à la cour, écrit Madame de Sévigné. Bussy Rabutin commente également la nouvelle dans plusieurs lettres. Son ami Trichateau ironise, quant à lui, sans la moindre compassion. Le retour de Madame de Fontanges ne m'a pas surpris. Le roi n'est pas encore dévot. Il se porte bien. Il est fait pour croire être aimé. Il a donné de grandes marques qu'il la trouvait aimable. Son mal bien guéri ne laisse rien de dégoûtant, au contraire. C'est pour un amant une blessure reçue à son service. Si Dieu ne s'en mêle, on ne se tire point de là. Hélas, la jeune femme retombe malade. Elle est, du reste, peut-être de nouveau enceinte d'un enfant qu'elle perd au début du mois de juillet. Madame de Quélus raconte que Madame de Maintenon lui a confié que Mademoiselle de Fontanges s'était tuée en voulant partir de Fontainebleau le 8 juillet, en même temps que le reste de la cour, qui retournait à Saint-Germain, alors qu'elle était déjà en travail. La duchesse ne peut pas avoir accouché en janvier et être de nouveau enceinte de 9 mois début juillet, d'autant qu'elle a été malade et absente jusqu'au début du mois de mai. En revanche, elle peut très bien faire une fausse couche après une grossesse commencée en mai. Le XVIIe siècle emploie les mêmes mots pour une fausse couche et une naissance à terme. Que l'information soit vraie ou fausse, le roi maintient ses munificences envers sa maîtresse. Le 2 juillet, elle reçoit une pension de 80 000 livres tournois, la plus importante jamais attribuée à une favorite. « Sa faveur est au plus haut degré », écrit Madame de Sévigné le 9 juin. « Son crédit est solide et brillant. » Mais celle qui va 4 pas derrière, comme la marquise la désigne souvent, souffre de nouveau de pertes de sang opiniâtre. Ses grandeurs ne la rendent pas heureuse. La jeune femme, épuisée, ne peut pas suivre la cour qui se rend en Flandre. Affaiblie, Mademoiselle de Fontanges pense n'être plus aimée selon la marquise de Sévigné.
Madame de Coulanges me mande que le roi fut l'autre jour 3 heures chez madame de Maintenon, qui avait la migraine, que le père de la chaise y vint, que madame de Fontanges pleure tous les jours de n'être plus aimée. Les grands établissements ne la peuvent consoler. Voilà qui est bon pour mettre dans notre sac aux réflexions. Impitoyable, madame de Sévigné considère que celle qui va 4 pas devant madame de Montespan est plus jalouse de madame de Maintenon, dont la faveur commence à apparaître, que de mademoiselle de Fontanges, qui ne fut qu'une passion brève. La lettre de Latroche m'assure que la tiédeur est extrême pour celle qui va 4 pas derrière, dont elle est inconsolable. La jalousie de celle qui va 4 pas devant est plus vive sur la confiance et l'amitié qu'on a pour l'autre que pour cet éclat de passion qui fait voir un mérite et un esprit fort médiocre. On triompherait de cela, mais sur l'esprit, la conversation, il faut mourir de chagrin. On a beaucoup de rudesse pour elle. Reprenant le motif d'une rosserie de Trichateau que Bussy a dû lui rapporter, la marquise commente le 14 juillet. Vous avez ri de cette personne blessée dans le service. Elle l'est à un point qu'on la croit invalide. Elle ne fait point le voyage et s'en va dans notre voisinage de Livry bien tristement. En effet, sa sœur aînée, ayant été nommée abbesse de Chelles en mai, mademoiselle de Fontanges s'y retire le 12 juillet. Madame de Fontanges est partie pour Chelles. Assurément, je l'irai voir si j'étais à Livry. Elle avait 4 carrosses à 6 chevaux, le sien à 8, où étaient toutes ses sœurs, et à vous toutes mes sœurs. Mais tout cela est si triste qu'on en avait pitié, la belle perdant tout son sang, pâle, changée, accablée de tristesse, méprisant 40 000 écus de rente et un tabouret qu'elle a, et voulant la santé et le cœur du roi, qu'elle n'a pas. Votre prière de Cabrières a fait là une belle cure. Je ne pense pas qu'il y ait un exemple d'une si heureuse et si malheureuse personne. Le 17 juillet, madame de Sévigné reprend. Et cette belle Fontanges qui est tristement à Chelles, perdant tout son sang. Avez-vous jamais vu une créature si heureuse et si malheureuse? Elle ne veut plus de 40 000 écus de rente et d'un tabouret qu'elle a, et voudrait le cœur du roi et de la santé qu'elle n'a plus. Voilà ce qui entretient mes réflexions dans ces bois où je rêve souvent. Ce serait bien une litière si nous y étions. J'ai des allées où je défie aucun secret de ne pas sortir, entre chien et loup principalement. Jugez ce que ce serait pour nous qui avons déjà de si belles dispositions à la confiance. La jeune duchesse n'est pas partie seule à Chelles. Elle a emmené carrosse, femme de chambre, domestique, et occupe la chambre abbatiale, sa sœur se contentant de la chambre longue selon l'histoire manuscrite de l'abbaye de Chelles conservée à la bibliothèque Mazarine. La jeune duchesse a son propre aumônier. Le désordre de sa venue est tel que, selon le manuscrit, je cite, « les saintes religieuses en gémissaient devant Dieu et lui demandaient par d'instantes prières de n'y point participer et d'en hâter le temps ». Les conditions de la nomination de sa sœur ne sont peut-être pas étrangères à ses protestations contre mademoiselle de Fontanges. Elles s'apaiseront, la valeur de sa sœur étant reconnue de façon unanime. Le 25 août, mademoiselle de Fontanges se trouve à Chelles lors de la somptueuse bénédiction organisée pour la nouvelle abbesse. 120 carrosses et voitures se rendent à l'abbaye. La musique de la chapelle du roi joue des pièces du compositeur Henri Dumont. L'archevêque Harlay de Champvallon officie. Le Mercure Galant, paru en septembre, décrit l'extraordinaire solennité qui eut lieu à cette date. Le dimanche 25 du dernier mois, Dame Catherine de Roussy de Fontanges, nommée par le roi à l'abbaye de Chelles, y fut bénie par Monsieur l'archevêque de Paris, en présence de l'une des plus illustres et des plus nombreuses assemblées qu'on ait vues depuis longtemps. Elle était composée de Monsieur le cardinal de Bonzy, de Monsieur l'archevêque de Sens, de Messieurs les évêques de Bayeux, de Sarlat, du Mans, de Montauban et d'Évreux, de Messieurs les abbés de Brissac, de Fontanges et de Polignac, de Messieurs les ducs de Gèvres, de Saint-Simon et de Brissac, de Monsieur le comte de Brancas, de Monsieur le prince de Mecklembourg et de Monsieur le prince de Saxe, son neveu, de Monsieur le marquis de Saint-Rémy,
de Madame la Princesse de Lillebonne et de Mesdemoiselles ses filles, de Mesdames les Duchesses de Ventadour, de Fontanges, de Vitry et de Villars, de Madame de Louvois et de Madame la Princesse de Rocheguillon sa fille, de Mesdemoiselles de la Rochefoucauld, de Madame la Maréchale de la Ferté, de Madame de Brancasse, de Mesdemoiselles d'Aumont, de Mayenne, fille de Monsieur Mazarin, de Rannes et Fémelon, de Mesdames les Marquises de Bournonville et de Castres, de Madame de Bourlon, de Madame l'Abbesse de Montmartre et de Madame la Princesse d'Harcourt, sa parente, de Madame l'Abbesse de Farmoutier et de Mesdames de Béringuet, ses nièces, de Madame de l'Abbesse de Blis et de plusieurs autres personnes de qualité dont on a pu me dire les noms. Il y avait deux tribunes, l'une pour les dames et l'autre pour la musique du roi, qui était conduite par Monsieur Dumont. L'église était tout ornée de riches tapisseries de soie relevées d'or et d'argent, et le grand autel rempli de vases d'argent, de six beaux chandeliers et d'une fort grande croix. Je ne parle point des lustres, des girandoles et des flambeaux disposés partout en très bon ordre. Depuis l'autel jusqu'au fond du chœur, il y avait des tapis de pied. Tout le chœur était couvert d'un seul tapis de perse de soie. Madame l'abbesse de Chelles avait Mesdames les abbesses de Montmartre et de Farmoutier pour assistantes. Les trois prie-dieu destinés pour elle et le trône de la nouvelle abbesse étaient couverts de tapis de perse à fond d'or, avec des carreaux de velours bleu tout brodés d'or. On ne peut rien voir de plus magnifique qu'était le dais qu'on avait mis sur le trône de Monsieur l'archevêque de Paris. Le fauteuil et le carreau étaient de même parure, tout cela un peu moins riche à l'égard du trône de Madame l'abbesse de Chelles. Et voici quelle fut la cérémonie. La facture est salée. 11 000 livres, près de 400 000 euros. Louis XIV en offre 20 000 à la nouvelle abbesse pour payer ses frais. Madame de Montmorency insiste dans une lettre du 28 août à Bussy. Mademoiselle de Fontanges, à cette occasion, se montre plus belle que le jour. Rien n'est plus naturel que sa beauté et elle porte des habits magnifiques. Mais elle dit en même temps qu'elle paraît en robe de chambre non pas au déshabillé, au sens contemporain, mais dans une robe d'intérieur plus modeste qu'une tenue d'apparat. Et elle va se mettre au lit aussitôt après la cérémonie. Certes, il s'agit du lieu où souvent une femme reçoit au XVIIe siècle. Mais l'histoire manuscrite de l'abbaye de Chelles rapporte que la condition physique de la jeune femme demeure si fragile qu'elle est incapable en réalité d'assister à tous les événements. Madame de Sévigné parle de sa tristesse. Son apitoiement est de brève durée. L'évocation des fastes de Chelles l'amène à opposer le personnage de Mademoiselle de Fontanges à celui jadis de Mademoiselle de Lavallière, auquel elle donne la palme de façon éclatante. « Ma bonne, nous aurions entendu de Livry, si nous y avions été, les triomphes, les fanfares et la musique de Chelles au sacre de l'abbesse. Que tout retentisse dans nos jardins et dans nos bois. Mesdemoiselles de Grignan auraient chanté cet endroit. On dit que la belle beauté a pensé être empoisonnée et que cela va droit à demander des gardes. Elle est toujours languissante, mais si touchée de la grandeur qu'il faut s'imaginer précisément le contraire de cette petite violette qui se cachait sous l'herbe et qui était honteuse d'être maîtresse, d'être mère, d'être duchesse. Jamais il n'y en aura sur ce moule-là. » Cette lettre du 1er septembre fait poindre un nouveau sujet de discussion. Mademoiselle de Fontanges, face à sa maladie opiniâtre alors qu'elle est fort jeune, imagine avoir été empoisonnée. Tous les regards se tournent vers Madame de Montespan. La cour, en effet, depuis des mois, est déchirée par l'affaire des poisons. Cependant, à peine sa sœur bénite et introduite dans son abbaye, Mademoiselle de Fontanges quitte Chelles pour rejoindre Versailles où la cour s'est rendue. Madame de Sévigné mentionne à l'occasion sa présence. Le ton est celui de l'humour, sinon du sarcasme. « Vous me paraissez bien convaincue de la dignité de ce monsieur de Fontanges, qui n'est point Fontanges. Vous oubliez les Invalides, ma chère bonne. Il ne faut point tant faire de révérence. » Mademoiselle de Fontanges est une invalide, mais le faux monsieur de Fontanges est bien sûr le roi, dont la marquise conteste auprès de sa fille qu'il se soit rangé. Affaiblie irrévocablement, Mademoiselle de Fontanges appelle désormais tous les coups. La marquise la surnomme, dans une lettre un peu plus tardive, « Belle beauté prunier ». Reprenant une désignation utilisée au temps de la splendeur, « Belle beauté », mais en lui ajoutant un terme « prunier », qui signifie proverbialement au XVIIe siècle qu'une personne est sotte. Les vaincus perdent toujours deux fois.
Face au déchaînement de ses amis, des femmes plus âgées, piquées probablement du triomphe qu'a remporté une plus jeune qu'elle, rappelons que Madame de Sévigné a 54 ans, Madame de Montmorency 53, Bussy Rabutin, exceptionnellement, tempère dans une lettre. Je ne sais pas si ces dames de Fontange ont de l'esprit, mais elles ont de l'honnêteté, de la douceur et du courage. Le roi maintient ses prévenances envers Mademoiselle de Fontange, et au mois de janvier 1681, va la visiter tous les soirs, ce qui signifie qu'elle ne peut plus participer aux assemblées ordinaires. Bussy affirme le fait également, un témoignage confirmé encore par Madame de Caylus et par Madame de Sévigné. Alors que cette dernière raconte à sa fille que son fils lui a fait lire des pièces de La Fontaine, se souvenant des poèmes qu'il avait écrits à la gloire de la duchesse, elle poursuit. Mon fils m'a fait voir aussi ses petits ouvrages de La Fontaine. Je ne sais comme je ne voulais point mander. Il est vrai que ceux qui ont vu cette belle beauté prunier ont peine à se persuader qu'elle vienne directement du troisième ciel. Je pense qu'on aurait plus de peine que jamais à se l'imaginer. On dit que les visites ne se font plus que pour l'amour de Dieu. C'est le contraire du temps passé. À la fin de l'hiver, le roi donne 400 000 francs pour le mariage de Catherine Gaspard de Scorail de Roussille, la sœur aînée de sa maîtresse, avec M. de Molac. Mais c'est la démandade. Primi Visconti ouvre sa relation de l'année 1681 sur une évocation crépusculaire. Je la voyais mourante. Je n'osais dire que ce qui pouvait plaire au roi, parce que dans cette cour, les murailles ont des oreilles et une langue. La dernière fois que je la vis au château neuf de Saint-Germain, je pleurais presque, car je savais qu'elle allait finir ses jours à Paris, comme il arriva en mai. Elle était douce, simple, sa passion était l'ambition et les fastes. Et l'on dit qu'elle a coûté au roi, en 3 ans, 2,5 millions de francs, sans les joyaux. Et ainsi elle mourut, martyre des plaisirs du roi. Il la traitait bien autrement que Madame de Montespan. Celle-ci était traitée comme une reine et elle comme une servante. Martyre des plaisirs du roi, l'expression est cinglante. De même que l'idée que Mademoiselle de Fontange eût été comme une servante pour le roi face à une Madame de Montespan triomphante et ambitieuse. Ce que les mots veulent dire, c'est que Mademoiselle de Fontange fit preuve de complaisance envers Louis XIV qu'elle aimait et qu'elle accepta d'être tenue dans une discrétion relative qui lui convenait à cette date pour des raisons politiques et religieuses. Effroyablement affaiblie, la jeune femme quitte finalement la cour pour Port-Royal de Paris le 23 mars. Le 25, le diplomate anglais Lord Henry Saville écrit « Dimanche, on a conduit la duchesse de Fontange dans un couvent pour y mourir. Son confesseur lui persuadant que la cour n'était point un endroit convenable pour une dernière action. Les médecins ne donnent pas d'espoir de sa guérison, ni qu'elle puisse aller jusqu'à Pâques. On dit que ce malheur a coûté bien des larmes royales. En vérité, humainement parlant, voir dépérir le pouvoir et la beauté et trouver les ministres et les maîtresses aussi mortelles que les plus éloignées de ces hautes fonctions, ce peut être, avant la semaine sainte, une leçon au plus grand roi. Que cette fin inévitable qui rabaisse les cèdres du Liban au niveau des buissons du désert, c'est un sujet de réflexion non seulement convenable et nécessaire pour le commun des hommes, mais il oblige David, assis sur le trône d'Israël, à baigner de ses pleurs sa couche royale. Au moment où cette lettre est rédigée, Mademoiselle de Fontange est à la cour depuis à peine 3 ans. Mais les jeux sont faits, il faut mourir. Madame de Sévigné annonce à son tour le 3 avril. Je ne sais si vous savez que la belle Fontange est dans un couvent, moins pour passer la bonne fête que pour se préparer au voyage de l'éternité. Marie-Angélique de Fontange agonise. Il est temps de penser à faire son salut. Mais à la veille du XVIIIe siècle et des Lumières,
rien ne vaut un bon mot. Bussy Rabutin s'esclaffe. Si ce temps dure, un chemin sûr aux belles filles pour se sauver, ce sera de passer par les mains du roi. Je crois que, comme il dit aux malades qu'il touche, le roi te touche, Dieu te guérisse. Il dit aux demoiselles qu'il aime, le roi te baise, Dieu te sauve. La livraison du Mercure Galant, publiée en mai 1681, évoque les résultats d'une loterie qui eut lieu à la cour le 15 mars. Mademoiselle de Fontanges fait partie des gagnants. Il ne semble pas, cependant, qu'elle ait participé aux fêtes de la nouvelle année ni du carnaval. Aucun document ne mentionne sa présence. Le dimanche 23 mars, elle part s'installer à Port-Royal. La lettre d'Henri Saville, ainsi que d'autres témoignages, montre que personne n'a d'illusion sur la nature de cette retraite, et sans doute pas la jeune femme elle-même. Elle a conscience de sa fin, elle se retire pour faire ce que le XVIIe siècle appelle une bonne mort, une mort en toute lucidité, une mort pieuse. La France galante est un roman satirique des amours royales paru en 1688. Le ton est ironique, mais s'agissant de l'événement, l'œuvre pose, je cite, « Madame de Fontanges » qui se voyait mourir tous les jours, pria de permettre qu'elle se retirât de la cour. Certes, la jeune femme pleure, dit le texte. Elle se persuade qu'elle est victime de la malice de ses ennemis. Peut-être une allusion à la conviction qu'elle nourrit, en pleine affaire des poisons, d'avoir été empoisonnée. Il s'agit probablement pour elle d'une façon de s'expliquer ou de faire face à l'injustice de son sort. Le fait ne change rien à la nature de l'épreuve qu'elle traverse, les yeux ouverts. Dongros de la Proustière voit dans sa vie brève une leçon morale voulue par Jeanne de Pla, la pieuse tante de Mademoiselle de Fontanges. La violence de cette proposition à nos yeux d'hommes et de femmes du XXIe siècle ne doit pas dissimuler qu'elle correspond à une vision profondément inscrite dans les mentalités du XVIIe siècle. Pour moi, je croirais plutôt que cette longue maladie suivie de la mort était plutôt un effet des prières de sa tante, qui est morte depuis quelques années à Besse de Farmoutier, en réputation et en odeur de sainteté, qui avait élevé cette nièce dans son sein pour retrancher d'autant le cours de ses fautes et lui donner le temps de pénitence. Comme elle appréhendait les suites qu'apporte une beauté extraordinaire, elle l'a sollicité souvent de se faire religieuse. Lui ayant dit un jour, étant au lit de la mort, qu'elle lui conseillait de ne point sortir de Farmoutier. Elle était belle, mais qu'elle l'avait été plus qu'elle. Que si elle voulait se mirer sur le modèle de la mort, elle renoncerait au monde, puisqu'il n'y avait point d'éclat que la maladie ne défigurât. Elle pouvait s'assurer que les plus belles deviennent plus difformes par mille accidents de la vie et que, tôt ou tard, elle lui ressemblerait dans l'état auquel elle la voyait. Cette morale a eu son effet dans son temps. Si elle eût été laide, on l'aurait fait religieuse. Mais la beauté n'abandonne point sa bonne fortune. Mais soit, ou qu'elle ne pût se résoudre à embrasser sitôt le joug de la religion, ou que la curiosité, mais plutôt la vanité de ses parents voulut l'engager à voir le monde, elle tomba dans le piège que le démon tend ordinairement aux personnes qui aiment le monde, au préjudice de la sûreté de la conscience. Mademoiselle de Fontanges tomba dans le monde et démontra par sa vie malheureuse combien les objurgations de sa tante étaient bonnes. Sa maladie et sa retraite à Chelles lui furent un avertissement selon Gouraud. Elle n'en tint pas à ses comptes, mais la Providence ne l'avait pas abandonnée. Elle retomba malade jusqu'à pouvoir enfin faire son salut. Et comme elle n'était point guérie, Dieu la priva de la satisfaction du siècle, commençant à ménager son salut jusqu'au point de la faire résoudre de se retirer dans le Port-Royal de la ville pour éviter la vue du monde, ses charges, ses honneurs et ses biens, ses hommages,
comme le courtisan adorant la fortune, et pour se disposer sérieusement à son salut, par la mortification d'une longue et triste maladie, afin qu'elle satisfît par où elle avait manqué, le corps ayant payé ses dettes par une mort plus heureuse que s'il eût été couvert de diamants. Plus heureuse 100 fois que celle qu'elle a laissée. C'est une preuve manifeste qu'elle n'a point oublié son Dieu dans son égarement, sujet de la recherche qu'il a fait de cette brebis qui s'écarte quelquefois du troupeau mais qui y retourne, la faiblesse, non la malice, lui ayant fait perdre les voies pour un temps. Mais cela est bien hasardeux et fort rare. Il ne s'y faut point fier. Qui se peut arrêter à un bien si fragile? Que de faveurs dissipées en un instant, fortune naissante dans son tombeau. Fiant sicut faenum tectorum, quod priusquam, evel latur exaruit. C'est une créature vaine, sans vertu, élevée sans fond. Notre Seigneur en fait comme d'une herbe qui naît dans les fentes des pierres et sur les toits. Elle paraît sur les clochers et sur les hauts lieux. In alto videtur et radicem non habet. On la voit en l'air et elle manque de racines. Qui l'a fait naître si haut? Une naissance humble mais plus solide lui aurait été plus avantageuse. Elle croîterait et fleurirait à son aise. Mais elle surprend le monde pour montrer sa sécheresse et pour donner à connaître son avidité, son ardeur et sa précipitation, non sa durée ni sa solidité. La voilà fanée devant sa moisson. Elle est aride sur le pied et languit dans son berceau et périt dans le premier éclat de l'aurore. Elle mourut le 28e du mois de juin 1681, ayant enfin jeté la médaille du roi et se préparant à la mort. Aminte va mourir. Quel changement étrange! L'état où on la voit est un puissant serment. Ses charmes en vivant la faisaient un démon, mais ses rares vertus en mourant la font ange. C'est dans cette perspective qu'il est nécessaire de concevoir le départ à Port-Royal de Mademoiselle de Fontange, si fut-elle difficilement résolue. Mais nul ne lui demandait un renoncement aisé. À dire vrai, le prix en croît même avec l'âpreté du sacrifice qu'elle doit consentir. La France galante ironise, en revanche, sur la lâcheté du roi, sensiblement touchée d'être présente à ses souffrances, et bien aise qu'elle donne à tordre aux affaires de son salut. Ce qui allégeait vraisemblablement d'autant le sentiment qu'il pouvait avoir de sa culpabilité, alors qu'il intriguait déjà auprès de plusieurs autres femmes. Le 23 mars, Mademoiselle de Fontange part donc mourir pieusement. Elle ne part pas néanmoins sans une suite conséquente. Elle est accompagnée par 3 demoiselles d'honneur, 1 aumônier, son premier gentilhomme et 40 de domestiques. Sa sœur, Catherine Gaspard, se trouve probablement avec elle. Elle sera rejointe par son autre sœur, l'abbesse de Chelles, ainsi que par son frère aîné, Anné Joseph. Ses parents ne sont jamais présents. Ils sont âgés et, selon toute vraisemblance, peu à l'aise avec son statut, tandis que ses frères et sœurs n'ont eu de cesse de recevoir de royales faveurs. Mademoiselle de Fontange se rend à Port-Royal de Paris, qui se trouve alors en dehors des murs de la ville, rue de la Bourbe. Cette destination peut étonner. Pourquoi pas Chelles, par exemple? Il est possible qu'elle veuille être plus près de Paris. Possible aussi qu'elle ménage la paix des religieuses de Chelles, déjà fortement sollicitées lors de la bénédiction de sa sœur. Port-Royal possède en outre une longue tradition d'hébergement de dames pieuses depuis les années 1640. Il existe au monastère des bâtiments adéquats. La solution est opportune. À quoi s'ajoute le fait qu'il s'agit du monastère de Paris, demeuré aux sœurs qui avaient accepté de signer le formulaire, souscrivant à la volonté du roi. Celui-ci n'éprouve aucune acrimonie envers ses moniales. En 1678, il a confirmé la sœur Dorothée Perdreau dans la charge d'abbesse. Elle n'a donc rien à lui refuser, et le choix de Port-Royal de Paris n'a rien qui puisse lui déplaire. Mais le choix de Port-Royal par Mademoiselle de Fontange est peut-être lié, une dernière fois, à la princesse palatine et à son influence sur sa vie.
Madame se rend souvent à Port-Royal de Paris et une de ses filles préférées, chassée par monsieur, ira y vivre. Charles Perrault, issu d'une famille très liée à Port-Royal, dédie du reste à la fille de madame ses comptes, tandis que sa propre fille va y résider. Port-Royal de Paris a mauvaise presse auprès des moniales des champs, mais leurs adversaires, aux yeux du monde, maintiennent la règle de la maison et ne déméritent pas. La présence de mademoiselle de Fontanges n'y est pas une preuve de discrédit ou d'embarras à l'égard d'une maîtresse royale dont on ne saurait pas quoi faire, mais plutôt l'indice que Port-Royal laisse Paris, comme disent les actes de la période, conserve une haute réputation, digne de la pénitente qui s'y présente en mars 1681. Rue de la Bourbe, mademoiselle de Fontanges habite un appartement hors clôture qui se trouve peut-être dans le bâtiment où avait vécu naguère madame de Sablé et où continuaient de se retirer des femmes désireuses de quitter le monde de façon plus ou moins prolongée. Elle occupe au deuxième étage deux pièces contiguës ayant vue sur le jardin, précédées d'une antichambre donnant sur une cour. Sa sœur et ses femmes sont logées au premier étage. Au-dessus, dans des chambres mansardées, son aumônier et ses pages. Au rez-de-chaussée, valets et servantes vaquent à la vie quotidienne. Un grenier sous les combles sert de garde-meuble. Son maître d'hôtel, Déguet, et une partie de l'office sont installés dans une maison située dans une cour dépendant du monastère. Son équipage, enfin, est remisé dans une auberge voisine, à l'enseigne de Saint-Adrien. Toutes ces informations nous sont fournies par l'inventaire dressé immédiatement après son décès. Toute autre information à propos de ce séjour relève de supputations que rien n'étaye. On sait en revanche, par l'histoire manuscrite de l'abbaye de Chelles, que son abbesse fit visite à sa sœur en raison de l'affection qui la liait à elle et parce qu'elle devait lui retirer 20 000 livres qu'elle lui avait prêtés. Mademoiselle de Fontanges vit aussi le duc de Noailles, un de ses parents, proche du roi, mais certainement pas ce dernier. Le 22 juin, une lettre d'un jésuite nommé Durosel au prince de Condé l'informe de l'imminence de la fin. On disait la veille au soir, apporte-t-il, que la duchesse ne passerait pas la nuit. Bourdaloue, qui se trouve près d'elle, a dormi au collège de Clermont, l'actuel lycée Louis-le-Grand, qui est une maison jésuite, pour aller la veiller si nécessaire. Le 23, un autre proche de Condé écrit qu'elle est très mal. Le 24, à 7h du soir, Quentin de Richebourg, son premier gentilhomme, demande au commissaire de la Mare, proche de la Reynie, de venir. Il y a tout à craindre cette nuit. L'abcès de madame a crevé. Elle crache le pus, et l'on craint, comme elle n'en crache pas beaucoup, que celui qui est répandu dans la poitrine ne l'étouffe. C'est pourquoi je vous prie, monsieur, de ne pas tarder à venir. Le lendemain, mademoiselle de Fontanges est encore en vie. Le commissaire de la Mare et Bourdaloue repartent, le dernier devant prêcher rue Saint-Antoine, à la maison professe des Jésuites. Le vendredi 27 juin, à 9h du soir, Richebourg écrit de nouveau à de la Mare de venir immédiatement. Il adresse la même requête au duc de Noailles. Cette fois, la jeune femme meurt à 1h30 du matin. Seuls son frère et sa sœur et des domestiques semblent être alors à son chevet. Son maître d'hôtel, aussitôt, prie le commissaire de la Mare, installé dans une auberge de la rue du Faubourg Saint-Jacques, de venir apposer les scellés sur les biens de la défunte. L'acte est daté du samedi 28 juin, à 2h du matin, et précise qu'elle est à ce moment décédée il y a demi-heure ou environ. La duchesse, en effet, doit des sommes considérables à Richebourg, à l'initiative de la démarche, et qui gérait ses biens. Les scellés qu'il fait mettre le protègent de tout vol quand la vente des affaires de mademoiselle de Fontanges va servir à payer les dettes. L'homme de loi et ses commis parcourent ainsi, pièce après pièce, le logement de la défunte et de ses gens, notant tout ce qu'ils y trouvent ou non, car des coffres et des tiroirs s'avèrent déjà vides. L'opération est terminée vers 3h du matin. De la Mare et son équipe se rendent alors à l'appartement de mademoiselle de Fontanges et à l'hôtel qu'elle possède à Saint-Germain-en-Laye, où ils poursuivent leurs tâches. Un deuxième inventaire est mené à partir du 1er juillet, à la requête cette fois du duc de Noailles et en présence du frère de la défunte. La succession est estimée en tout à près de 100 000 livres, soit près de 3 millions d'euros. La somme est importante, mais inférieure de loin à ce que madame de Montespan put coûter à Louis XIV. Ce dernier demande par ailleurs, dans trois courriers du 7 juillet,
que tous les objets et meubles qui se trouvaient en la possession de Mademoiselle de Fontanges soient déposés au mobilier de la couronne. Le journal du garde-meuble permet en effet d'y voir entrer le 16 octobre plusieurs objets décrits dans les inventaires. Un luxueux cabinet, aujourd'hui au musée Jacquemart-André, que le roi lui avait offert, avec un bureau et une cassette de toilette désormais perdue. Mais aussi de l'argenterie et quelques pièces précieuses, tasses en cristal ou pendules. Une note préliminaire indique que le reste a été vendu ou distribué. Une autre lettre du 27 juin, conservée aux archives de la Bastille, fournit une information supplémentaire. Son auteur écrit « Madame de Fontanges était hier à l'agonie. Je ne pense pas qu'elle passe aujourd'hui. Elle a rendu les portraits qu'elle avait, avec toutes les pierreries, et le roi a la bonté de payer ses dettes. La jeune femme s'est donc dépouillée avant même de mourir, de tout faste, restituant des présents qui n'étaient que des prêts en réalité, ainsi que les marques qu'elle conservait de l'attachement du roi. Sinon peut-être un médaillon et des lettres que Louis XIV réclame le 2 juillet par l'entremise de Noailles et qu'il fera détruire, de sorte que l'on n'a pas conservé un seul document de la main de Mademoiselle de Fontanges. Dans la pièce où celle-ci rend l'âme, il n'y a que le lit, deux armoires de bois blanc et une table. Aucun livre n'est mentionné. La duchesse est malade depuis des mois. Elle a mené une vie très itinérante depuis le début de sa faveur, 2 ans plus tôt. Il n'est pas étonnant qu'elle n'ait pas constitué une bibliothèque. Le fait ne peut guère être versé au dossier d'une supposée frivolité. On a conservé un billet autographe de Louis XIV, écrit le matin de la mort de Mademoiselle de Fontanges, à 10 heures, au duc de Noailles. Le roi commence par se dire surpris et fâché de la nouvelle, quoiqu'il l'attendît depuis longtemps. Les mots sont forts dans la langue du XVIIe siècle. Fâché implique un choc, une offense, un sujet de colère ou de chagrin profond. Le monarque s'étonne ensuite que Noailles, qui a dû l'informer du décès, ne lui ait rien dit de Bourdaloue. Le souverain devait espérer qu'il assiste la mourante, ce qu'il n'a pas fait. Louis XIV exprime enfin son souhait que le corps ne soit pas ouvert, c'est-à-dire pas autopsié. Le procédé étant très ordinaire après la mort de toute personne noble, la requête peut signifier que le roi est touché par les rumeurs d'empoisonnement qu'il ne veut pas voir alimentées, ou qu'il éprouve une tendresse particulière envers le corps de la jeune morte. La requête fut vaine, un fragment de procès-verbal montre qu'il y eut bien une autopsie. La pièce ne porte ni date ni heure, mais les funérailles ayant eu lieu dès le lendemain, il est possible qu'elle ait été pratiquée avant même que la volonté du roi, alors à Versailles, eût été portée à Port-Royal. Aucun de ses médecins, d'ailleurs, ne signe le document. La pièce attribue la cause de la mort uniquement à la pourriture totale des lobes droits du poumon. C'est-à-dire qu'elle élimine les soupçons d'empoisonnement et invite à conclure à une tuberculose, probablement aggravée par la fragilité de la jeune femme après ses couches, puisque rien ne permet de penser qu'elle ait eu des problèmes de santé antérieurs. Des mois plus tôt, Madame de Sévigné parlait déjà de sa poitrine et le billet de Richebourg le 27 juin indique clairement que la jeune femme crachait du pus. La thèse de l'empoisonnement ne prend du reste vraiment d'importance qu'après la mort de Louis XIV, notamment sous la plume de Madame. La Montespan était un diable incarné, mais la Fontanges était bonne et simple. Toutes deux étaient fort belles. La dernière est morte, dit-on, parce que la première l'a empoisonnée dans du lait. Je ne sais si c'est vrai, mais ce que je sais bien, c'est que 2 des gens de la Fontanges moururent, et on disait publiquement qu'ils avaient été empoisonnés. Mais la Palatine déteste Madame de Montespan. L'accusation sert à la vilipender. Une seconde accusation le montre encore plus explicitement. Le duc du Maine est né et a été élevé dans la méchanceté. Sa mère était la plus méchante femme du monde. Je connais 3 personnes qu'elle a empoisonnées, Mademoiselle de Fontanges, son petit garçon, et une demoiselle qui était auprès de la Fontanges, sans parler de celle que je ne connais pas. Lui a été élevé par la vieille sorcière de Maintenon, qui est un diable incarné et qui n'a songé toute sa vie qu'à placer un bâtard sur le trône afin de régner de concert avec lui. Elle l'a fait déclarer prince du sang. Elle voudrait aujourd'hui le mettre à la tête du gouvernement. Son témoignage, infirmé par beaucoup d'autres, ne demande pas à être pris très au sérieux. Les textes dans lesquels la thèse est de nouveau exposée sont tous critiques envers la politique du souverain. C'est un argument à charge.
Le 29 juin, le lendemain de sa mort, la duchesse est inhumée dans l'église de Port-Royal. On a conservé une copie de la présentation de son corps au prêtre chargé de la messe de funérailles. Présentation du corps de Madame de Fontanges à Port-Royal de Paris le jour de Saint-Pierre et Saint-Paul, 1681. C'est le corps de Madame la Duchesse de Fontanges que nous vous présentons, monsieur, et auquel nous vous prions de donner la sépulture ecclésiastique dans l'intérieur de ce monastère, et le repos au milieu des épouses de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à ce Jésus, qui est le maître des cœurs, de ce qu'ayant arrêté tout d'un coup sa créature dans le cours impétueux de ses désirs et des prospérités du monde, comme il fit saint Paul autrefois, et la tenant abattue sous sa main toute puissante, et sous le poids d'une maladie longue et fâcheuse, il l'a touchée d'une douleur salutaire et réveillant en elle les sentiments de la foi et de la piété. Il l'a rendue digne, après de grandes misères, d'éprouver de grandes miséricordes. Et c'est un exemple touchant pour ce siècle. Vous l'aviez vue avec vous, fidèle servante de Jésus-Christ, elle vous était échappée et à lui-même. Voilà qu'il la ramène et qu'il vous la redonne. Offrez pour elle et vous aussi, monsieur, s'il vous plaît, le sacrifice de louanges et de prières et faites-nous la grâce de nous y donner part. Le texte ne peut être suspecté de complaisance en évoquant les sentiments de la foi et de la piété qui se sont réveillés chez la mourante, puisqu'il ne dissimule pas qu'elle ne se repentit qu'au terme de longues souffrances. Quant à l'inhumation de la duchesse à Port-Royal, l'érudit Pigagnol de la Force décrit sa tombe en 1742 dans sa description de Paris. Elle se trouve à côté de celle de sa sœur, Catherine Gaspard, qui demanda à être ensevelie près d'elle quand elle mourut en 1736, et à côté de la tombe de Monsieur de Pontis. Contrairement à une idée répandue, ces trois sépultures ne se trouvent pas dans le cœur des religieuses, qui se situe dans la clôture du monastère, mais dans la chapelle, devant la grille, qui la sépare du cœur. Aucune tombe n'est aujourd'hui visible, ni celle de Pontis, ni celle de la mère Angélique. Mais un décret de la Convention ordonna de mettre à disposition de l'artillerie le fer et le plomb contenus dans les sépultures fastueuses, inspirées par l'orgueil de l'aristocratie, dit-il. Or, la section de Paris, dont relevait Port-Royal, mentionne dans le registre de ses délibérations, à la date du 26 frimaire an 2, c'est-à-dire du 16 décembre 1793. Depuis le 12 frimaire, les commissaires de la section de l'Observatoire sont occupés à l'exhumation des plombs existants dans les ci-devant maisons religieuses de leur arrondissement. Ainsi, les tombes de Mademoiselle de Fontanges, de sa sœur et de la mère Angélique furent profanées et détruites à cette occasion. Trois jours plus tôt, une circulaire du ministère de la Guerre du 23 frimaire, an 2, prescrivait afin de protéger la santé de leurs responsables. On fera fondre, en lingots de 20 à 25 livres, les cercueils dans des endroits découverts et bien aérés pour en retirer et faire consommer avec de la chaux ce qu'ils renferment sans aucun danger. Les dépouilles qui se trouvaient à Port-Royal durent être détruites dans les jardins qui entouraient le monastère. Le cœur de Mademoiselle de Fontanges avait été prélevé pour être inhumé, quant à lui, à l'abbaye de Chelles. Le curé de la paroisse Saint-Séverin, où le frère de la jeune femme résidait à Paris, le présente le lundi 30 juin au père Claude Boitard, visiteur de l'abbaye. Lui aussi insiste sur les étranges efforts, c'est-à-dire les efforts violents, extraordinaires, au terme desquels Dieu a repris le cœur de sa créature. C'est une façon de faire valoir les souffrances et le combat de celles-ci, et une marque involontaire de la force de l'attachement qu'elle avait conçue pour un autre maître. Présentation du cœur de Madame de Fontanges à l'abbaye de Chelles. L'illustre abbesse qui conduit si sagement ce célèbre monastère ne pouvait, dans la douleur amère où elle est d'avoir perdu une sœur qui lui était si chère, se faire une plus sensible consolation, mon révérend père, que celle de demander son cœur, que nous avons apporté. Il lui sera un gage perpétuel et précieux de la tendre amitié qui était entre elles, et elle ne pourra le voir ni la place où l'on va le mettre, qu'elle ne se souvienne de toutes les grâces que Dieu y a voulu répandre. Ce cœur était à Dieu dans les commencements, le monde l'avait gagné. Dieu a repris enfin ce qui était à lui, et ce qu'il avait fait pour lui. Mais ce n'a pas été sans peine qu'il s'est rendu. Il a fallu y faire de fortes impressions et d'étranges efforts.
ce qui peut bien nous donner lieu de dire pour Madame la Duchesse de Fontange ce que le prophète disait pour lui-même. Probasti cor meum, et vis est in octe. Dieu a éprouvé ce cœur. Il l'a visité pendant la nuit d'une triste maladie, et il a fait luire sa lumière et mis le jour dans cette nuit obscure. Madame de Chelles a été témoin des derniers mouvements du cœur de Madame de Fontange. Elle a cru que l'amour de Dieu était entré en elle, en la place de l'amour du monde, et qu'il l'avait délivrée de cette corruption générale qui se trouve dans les cœurs de tous les hommes. La grâce a combattu et vaincu dans ce cœur les sentiments de la nature, et elle l'a fait, jusqu'à la mort, ne respirer que pour son Dieu. C'est là-dessus, mon père, que nous établissons nos espérances pour Madame de Fontange. Espérances beaucoup meilleures que toutes celles que le monde lui avait faites. Espérances véritables qui ne sont ni vaines, ni trompeuses, et qui rempliront pour toujours ce même cœur de bénédiction et de joie. Faites des prières afin que cela soit et offrez pour elle et pour nous, au saint autel, le sacrifice de la messe. L'histoire manuscrite de l'abbaye de Chelles relate la magnifique cérémonie apprêtée par sa sœur. Le cœur est déposé sur un haut catafalque, illuminé de cierges, rehaussé d'un riche drap mortuaire, surmonté de la couronne ducale, environné d'écussons nobiliaires. Puis la relique est déposée dans une urne de marbre à l'entrée du cœur et une épitaphe y est gravée. Comme la tombe de Mademoiselle de Fontange, ce monument fut détruit en même temps que l'abbaye, vendue comme bien national en 1796. Le 30 juin, le Mercure Galant consacre une seule ligne à Mademoiselle de Fontange. « Je viens d'apprendre la mort de Madame de Fontange. » Madame de Sévigné est aussi expéditive. « La belle Fontange est morte. Sic transit gloria mundi. » Bussy Rabutin, qui fait dans le poncif, est à peine plus intéressé. « Pour moi, je ne suis pas si heureux que Monsieur de Luxembourg, suivant les maximes du monde, mais je le suis plus suivant les maximes de l'Évangile, car les adversités sont les marques certaines de l'amour de Dieu. Rien ne fait plus retourner à lui que la mort de Madame de Fontange. » Le 5 juillet, la Gazette se fend d'un article de quelques lignes pour informer de la mort de la jeune femme, à 22 ans, et des lieux de son inhumation. Y a-t-il par là matière à se rallier à l'avis de Madame de Caylus, proche de Madame de Maintenon, qui succéda à Mademoiselle de Fontange dans les affections de Louis XIV. Elle écrit dans ses mémoires que Mademoiselle de Fontange fut peu regrettée. Elle achève de l'assassiner 2 pages plus tard en évoquant son peu d'esprit et les idées romanesques qu'une éducation de province et les louanges dues à la beauté lui avaient inspirées. Au point que le roi, selon Madame de Caylus, n'eût été jamais attaché qu'à sa figure, et eût même été, je cite, « honteux » lorsqu'elle parlait et qu'il n'était pas en tête à tête. Madame de Caylus conclut « On s'accoutume à la beauté, mais on ne s'accoutume point à la sottise tournée du côté du faux, surtout lorsqu'on vit, en même temps, avec des gens de l'esprit et du caractère de Madame de Montespan, à qui les moindres ridicules n'échappaient pas et qui savaient si bien les faire sentir aux autres par ce tour unique à la maison de Mortemart. » On a vu ce qu'il en était de l'éducation provinciale de Mademoiselle de Fontange et de sa sottise, tout au plus naïveté de jeune fille tout juste sortie du couvent et de la vie générale éperdument amoureuse, sans doute ravie du luxe qui lui était prodigué, mais ne réclamant aucune préséance, aucun honneur personnel particulier, n'intriguant pas. Quant au fait que le roi eût été honteux d'elle, c'est un trait qui se trouve dans une lettre de Sophie de Hanovre, mais à propos de la reine qui danse mal. Saint-Simon va néanmoins dans le même sens que Madame de Caylus. Pendant son règne, elle ne laissa pas d'avoir des jalousies. Mademoiselle de Fontange plut assez au roi pour devenir maîtresse en titre. Quelque étrange que fût ce doublé, il n'était pas nouveau. On l'avait vu de Madame de Lavallière et de Madame de Montespan, à qui celle-ci ne fit que rendre ce qu'elle avait prêté à l'autre. Mais Madame de Fontange ne fut pas si heureuse, ni pour le vice, ni pour la fortune, ni pour la pénitence. Sa beauté la soutint un temps, mais son esprit n'y répondit en rien. Il en fallait au roi pour l'amuser et le tenir. Avec cela, il n'eut pas le loisir de s'en dégoûter tout à fait. Une mort prompte, qui ne laissa pas de surprendre, finit en bref ses nouvelles amours. Presque tous ne furent que passades. À suivre un tel jugement, Mademoiselle de Fontange appartient à la petite histoire. En réalité, l'abbé de Choisy
dit le roi très touché par sa perte et attentif à maintenir ses générosités envers les siens. En décembre 1681, par exemple, il offre 100 000 livres au fils que Joseph Année de Scorail accueille et qui est prénommé Louis Théodose en hommage au roi, Théodose étant la version grecque de Dieudonné, le second prénom du monarque. Au-delà de divers actes de ce type, Louis XIV donne pouvoir le 15 juin 1682 au duc de Noailles pour passer contrat, en son nom, avec l'abbesse de Port-Royal, afin de fonder un service annuel à perpétuité pour le repos de l'âme de Marie-Angélique. Il verse à cette fin une somme de 6 000 livres. Le geste est unique de sa part et marquant de la part d'un homme dont la liaison avec Mademoiselle de Fontanges ne fut sans traverse qu'entre la fin de l'année 1679 et la naissance de leur enfant en janvier 1680. Il tend à suggérer, n'en déplaise aux jaloux de tout poil qui s'émurent de cette passion, qu'elle fut extrêmement vive. La discrétion que Louis XIV s'employa à maintenir est-elle d'autre part une manifestation de dédain ou l'annonce de la conduite qu'il tint juste après avec Madame de Maintenon? La piété de Mademoiselle de Fontanges, enfin, que je me suis appliquée à restituer, prélude fort à celle de cette dernière. Cette piété était du reste assez connue pour qu'un petit pamphlet paru en 1695, L'esprit familier de Trianon ou l'apparition de la duchesse de Fontanges, imagine que celle-ci revient du royaume des morts pour admonester le roi et le presser de se défaire des jésuites et de leurs fausses maximes. Sire, ne me touchez point. Les mortels n'ont plus de sympathie avec les ombres qui n'ont rien de réel que l'apparence. Demeurez où vous êtes. Je vous dirai ce que je sais des peines qui vous sont destinées. Chaque crime reçoit son châtiment. La galanterie a toujours été votre passion dominante, et les délices de vos jours, sans avoir cru que ce fût un péché criminel, comme les révérends pères jésuites l'enseignent dans leur morale secrète. Témoin ce qui est rapporté du père Coton. Un grand prince lui témoignant un jour qu'il s'étonnait que lui, père Coton, s'employa à amener au roi une certaine demoiselle. Coton lui répondit que c'était en effet un péché, mais qu'il fallait surtout avoir égard à la santé du roi, duquel la vie était si nécessaire à l'Église, et que ce mal serait récompensé par un plus grand bien. Escobar, aussi bien que Coton, autorisait cet exercice comme un remède salutaire, selon la chanson. Si Bourdaloue, un peu sévère, dit que c'est trop de liberté, Escobar, lui dit-on, mon père, nous le permet, pour la santé. Mais il en est autrement ici-bas, où il n'y a point de plaisir charnel pardonné sans la souffrance du purgatoire, qui est une île et un grand lieu vaste éloigné de l'enfer, et un peu moins ardent, où il faut que toutes les âmes passent au sortir de cette vie, pour se purger de toute iniquité mondaine et des désirs impurs qui souillent nos esprits. Cependant, je frémis pour votre majesté, qui doit souffrir le supplice des galants de profession et des adultères qui sont attachés sur une roue qui est en perpétuel mouvement, dans les desseins de faire connaître aux pécheurs combien les soulèvements et les transports de la chair rebelle sont en horreur aux dieux. Mademoiselle de Fontanges, émissaire du royaume de Pluton, est un fantôme déterminé. Elle n'hésite pas à répliquer à Louis XIV, offensé de ses critiques envers les jésuites, et se fait l'avocate des Huguenots, persécutés depuis la révocation de l'édit de Nantes. Ah, ne parlons point, mon cher prince, des jésuites. Ces bons religieux ne sont point aimés des sujets de Pluton. Chacun dit tout hautement que ce sont eux qui renversent les états et les royaumes les plus tranquilles, par leurs diaboliques maximes. Oh, Saint Ignace! « Que dites-vous, mademoiselle ? » s'écria le roi avec un saint transport. « Vous profanez la sainteté de ces pieux pères qui sont avec justice le sel de la terre, empêchant par leurs prières dévotes qu'elles ne se corrompent. C'est peut-être la médisance que les Huguenots font courir là-bas qui déshonore ces bonnes et religieuses âmes. »« Sire, interrompit la duchesse, les calvinistes sont fort considérés de leurs majestés infernales. Le bonhomme Calvin, qui est le fondement de la religion huguenote, est très bien en cours. Chacun l'aime pour son savoir et pour la solidité de ses raisonnements, qui sont approuvés de plusieurs pères de l'Église, et l'on craint fort que le roi des enfers ne devienne huguenot. « Quoi, mademoiselle ? Que dites-vous ? » répliqua notre monarque avec un grand étonnement. « Le prince Pluton huguenot ? Ah ! Serait-il possible que cette hérésie perçât les ténèbres des enfers ? Et qu'elle séduisit jusqu'aux puissances souveraines des lieux souterrains. La sainte société des jésuites et les pères de la mission ne devraient pas souffrir l'agrandissement de ces hérétiques,
et si le révérend père Lachaise, mon confesseur, était dans ce royaume, sa révérence ne permettrait jamais que l'on y parlât de la doctrine de Calvin, ni de ses disciples. Hélas, sire, dit l'ombre, si votre majesté savait comment se gouvernent les états infernaux, elle ne parlerait pas de la manière. Je vous ai déjà dit, mon cher prince, que la différence ne se trouve point au sombre palais, et que tout est égal. Les révérends pères jésuites, dont vous vantez tant le pouvoir, ne sont pas plus distingués que les autres, sinon qu'ils sont tous assemblés dans un certain lieu écarté du reste des damnés, à cause de leur subtilité et de leur ruse. Les ministres des états du grand Lucifer lui ont fait connaître qu'il fallait que ses esprits remuants et remplis de finesse fussent toujours enfermés pour le repos et la tranquillité de l'empire infernal. Dans cette assez fabuleuse satire, Mademoiselle de Fontange s'inquiète même des finances du royaume. Sire, répliqua la duchesse, comme vont vos finances? Pourvu que l'argent ne manque pas à votre majesté, il faut espérer que tout se terminera enfin à votre gloire. C'est là de quoi il s'agit, dit le roi, car je fais de terribles dépenses pour la soutenir. Et jusqu'à présent, j'ai engagé le ver et le sec pour trouver de l'argent. Ce qui m'a obligé à mettre des impôts et des taxes sur toute chose, et même à en venir à une capitation générale sur les sujets de mon royaume. La fin nous apprendra si ce n'est pas un peu trop pousser les choses à bout. Les affaires sont donc bien changées, sire, répliqua la Fontange, de ce qu'elles étaient lorsque je partis du monde. Si changées, ma belle, répondit le roi, que mon royaume n'est presque plus connaissable. Il y a 8 ans que je ne fais plus rien faire à Versailles, et que j'ai fait abandonner tous les beaux dessins que Colbert avait formés pour embellir mes maisons royales, parce que j'ai besoin de mon argent pour des nécessités plus pressantes. On ne voit plus tant d'opéras, de festins, ni de bals à la cour comme de votre temps. La guerre a banni tous les innocents plaisirs qui ont fait ci-devant nos plus tendres amusements. Il ne manque pas de sel de voir Mademoiselle de Fontange devenir une héroïne de la vertu et du ciel, plaidant la cause des réformés de France. On peut s'en amuser, on peut aussi noter une ou deux évidences. D'abord, que la jeune femme n'est pas oubliée, et qu'elle incarne même a posteriori pour certains la dernière époque faste du règne de Louis XIV. On peut aussi réfléchir à ce que le texte suppose malgré lui. La faveur de la pieuse et discrète Mademoiselle de Fontange annonce en fait à bien des égards des fondements de la liaison du roi avec Madame de Maintenon. La première lui suggéra-t-elle, en aucune façon, par sa conduite, le moyen de toucher le cœur du roi? Et qu'en eût-il été du règne de Madame de Maintenon sans la mort prématurée de la jeune fille? Il ne s'agit pas de faire de l'histoire fiction, l'exercice n'a pas d'intérêt. Mais l'histoire n'est écrite qu'après coup. En juger à cette aune, seule, réduit singulièrement la perception qu'on peut avoir du passé. La longue et injuste défiguration de la vie de Mademoiselle de Fontange, par l'application systématique de préjugés et de partis pris anachroniques, en est une éclatante démonstration. Car rapprochée de sa vérité, elle permet de saisir en Louis XIV une attirance profonde pour d'autres maximes que celles-mêmes selon lesquelles il se conduit encore entre 1678 et 1681. Elle éclaire un peu mieux le changement qui va se produire. Elle n'interdit pas de penser que l'amour pur d'une jeune fille y contribua, et que ce ne fut pas l'œuvre seulement des intrigues de cinquantenaires spirituels, mais des abusés. Le conte de fées, certes, tourne à court. Mademoiselle de Fontange survit cependant, peut-être, dans un des plus célèbres qui soit. Perrault fut un familier de Madame. Que doit à Mademoiselle de Fontange le carrosse de Cendrillon et ses chevaux d'un beau gris de souris pommelée? Cendrillon figure parce qu'elle a été bien instruite par sa marraine de la bonne grâce, montre, selon la première moralité du conte, qu'on gagne le cœur d'un roi par ce don. La beauté est un rare trésor, écrit l'auteur, mais la bonne grâce est le vrai don des fées. Sans elle, on ne peut rien, avec elle, on peut tout. Qu'un coup de baguette magique, enfin, rende justice, un peu, à Marie-Angélique de Scora et de Roussille.